DA Audio vous présente Rompre avec soi-même pour se créer à nouveau. De Joe Dispenza. A la narration, Tristan Harvey. Introduction. Quand je pense au nombre de livres portant sur la création de l'existence que nous désirons mener, je me rends compte que nous sommes plusieurs à rechercher encore des approches fondées sur des preuves scientifiques solides, c'est-à-dire sur des méthodes qui fonctionnent réellement. Déjà, de nouvelles recherches sur le cerveau, sur le corps, sur l'esprit et sur la conscience nous indiquent de plus grandes possibilités d'accéder à notre véritable potentiel inné. Comme chiropraticien dirigeant une clinique de santé intégrale et comme éducateur dans les domaines des neurosciences, du fonctionnement cérébral, de la biologie et de la chimie cérébrale, j'ai eu le privilège d'être à l'avant-garde de ces recherches, non seulement en étudiant dans ces domaines, mais aussi en observant les effets de cette nouvelle science quand on l'applique à des gens ordinaires comme vous et moi. C'est alors que ces possibilités deviennent une réalité. Je désire donc partager ici une partie de ce que j'ai appris en cours de route et vous montrer comment, par l'interrelation de l'esprit et de la matière, vous pouvez appliquer ces principes non seulement à votre corps, mais à tous les aspects de votre vie. Il s'agit là d'une grande entreprise, mais vous devez savoir ceci. Vous avez sans doute été attiré par cet enregistrement parce que vos efforts pour effectuer des changements durables dans votre existence, que ce soit sur le plan physique, Émotionnelles ou spirituelles ont échoué en on regard de l'idéal que vous entretenez de vous-même. La raison pour laquelle ces efforts ont échoué relève davantage de vos croyances que d'autres choses, y compris un prétendu manque de volonté, de temps, de courage ou d'imagination. Pour changer, nous devons toujours avoir une vision neuve de nous-mêmes et du monde afin d'acquérir de nouvelles connaissances et de vivre d'autres expériences. C'est ce vers quoi vous conduira l'écoute de cet enregistrement. Tant que vous n'aurez pas modifié la vision de votre réalité présente, tout changement que vous apporterez à votre existence sera arbitraire et transitoire. Il vous faut repenser comment les choses se produisent afin d'obtenir des résultats désirés et durables. Pour ce faire, vous aurez besoin d'être ouvert à une nouvelle interprétation de la réalité et de la vérité. Préparez-vous à connaître des changements importants sur le plan de la compréhension. En fait, en adoptant cette nouvelle perspective, c'est tout votre être qui va changer. Je souhaite vivement que vous ne soyez plus alors les mêmes personnes qu'auparavant. la création de la réalité, l'énergie réagit à l'observation consciente. Ce que les physiciens quantiques ont découvert, c'est que la personne qui observe ou mesure les particules constituant l'atome affecte le comportement de l'énergie et de la matière. Les expériences quantiques ont démontré que les électrons existent simultanément en une série infinie de possibilités ou de probabilités dans un champ d'énergie invisible. Toutefois, c'est seulement quand un observateur dirige son attention sur l'emplacement d'un électron que celui-ci apparaît. Autrement dit, une particule ne peut pas se manifester dans la réalité, c'est-à-dire dans l'espace-temps que nous connaissons, à moins que nous l'observions. La physique quantique appelle ce phénomène l'effondrement de la fonction d'onde, ou l'effet de l'observateur. Depuis cette découverte, on ne peut plus considérer l'esprit et la matière comme séparés. Ils sont intrinsèquement liés, car l'esprit subjectif produit des changements mesurables dans le monde physique objectif. Un nombre infini de réalités possibles à la disposition de l'observateur. Cela signifie donc que le champ quantique contient une réalité dans laquelle nous sommes en santé, riches et heureux et que nous possédons toutes les qualités et les capacités de l'être idéal que nous entretenons dans nos pensées. Continuez à me suivre, et vous verrez qu'avec une attention consciente, l'application sincère d'une nouvelle connaissance et des efforts quotidiens soutenus, vous pourrez utiliser votre esprit comme observateur pour faire s'effondrer les particules quantiques et organiser un grand nombre d'ondes de probabilités subatomiques de manière à créer un événement physique désiré que vous vivrez réellement. Si vous apprenez à perfectionner votre capacité d'observation afin d'affecter intentionnellement votre destinée, vous êtes en voie de vivre la version idéale de votre existence en devenant la version idéale de vous-même. Quand je parle de l'effet de l'observateur, il ne s'agit pas seulement du cerveau qui influence la matière, mais aussi du corps. C'est notre état d'être quand l'esprit et le corps ne font qu'un en tant qu'observateur qui exerce des effets sur le monde extérieur le champ quantique ne réagit pas à ce que nous désirons mais à ce que nous sommes les pensées et les émotions l'émission de notre signal électromagnétique dans le champ quantique Puisque toute potentialité contenue dans l'univers est une onde de probabilité qui possède un champ électromagnétique et qui est de nature énergétique, il est logique que nos pensées et nos émotions ne fassent pas exception à la règle. Nous pourrions dire que les pensées sont la charge électrique du champ quantique et que les émotions en sont la charge magnétique. Nos pensées envoient un signal électrique dans le champ quantique et nos émotions nous renvoient magnétiquement les événements. La combinaison de ce que nous pensons et ressentons crée un état d'être qui génère une signature électromagnétique, laquelle influence chaque atome de notre monde. Cela devrait nous inciter à nous demander ce que nous émettons, consciemment ou inconsciemment, au quotidien. Toutes les expériences potentielles existent comme signature électromagnétique dans le champ quantique. Un nombre infini de signatures électromagnétiques potentielles pour le génie pour la richesse pour la liberté pour la santé existe déjà comme chaîne énergétique vibratoire si nous pouvions créer un nouveau champ électromagnétique en changeant notre état d'être de façon qu'il corresponde à une potentialité existant dans le champ quantique d'information serait-il possible que notre corps soit alors attiré vers cet événement ou que ce dernier vienne jusqu'à nous tout naturellement nos pensées et nos sentiments habituels perpétuent toujours le même état d'être, lequel crée la même réalité. Par conséquent, si nous désirons changer un aspect de notre réalité, nous devons penser, ressentir et agir d'une manière nouvelle. Nous devons réagir à nos expériences différemment. Nous devons devenir quelqu'un d'autre. Nous devons créer un nouvel état d'esprit. Et observer un résultat nouveau avec un esprit nouveau. D'un point de vue quantique, nous devons créer un état d'être différent en tant qu'observateur et générer une nouvelle signature électromagnétique. Ce faisant, nous correspondrons à une réalité potentielle qui s'inscrit dans le champ comme potentialité électromagnétique. Une fois cette correspondance établie entre ce que nous sommes et ce que nous émettons, et la potentialité électromagnétique, nous serons attirés vers cette réalité potentielle où elle nous trouvera. Changer notre vie nécessite donc de changer notre énergie, c'est-à-dire d'effectuer un changement élémentaire dans notre esprit et nos émotions. Si nous désirons un résultat nouveau, nous devons rompre avec nous-mêmes et nous réinventer. Le changement requiert la cohérence. Aligner nos pensées et nos sentiments. Tout comme les ondes d'un signal sont beaucoup plus puissantes quand elles sont cohérentes, nos pensées et nos sentiments le sont aussi quand ils sont alignés. Quand nous entretenons une pensée claire de notre objectif, accompagnée d'un engagement émotionnel passionné, nous émettons un signal électromagnétique plus fort qui nous pousse vers la réalité potentielle correspondant à notre désir. Si vos intentions et vos désirs n'ont pas donné de résultats significatifs, c'est sans doute que vous avez émis un message incohérent dans le champ quantique. Vous désirez peut-être la richesse. Vous pensez peut-être richesse, mais si vous vous sentez pauvre, vous ne vous attirerez jamais l'abondance financière. Pourquoi Parce que les pensées sont le langage du cerveau et les émotions sont le langage du cœur. Vous pensez d'une façon mais vous ressentez d'une autre façon. Quand l'esprit est en opposition avec le corps ou vice-versa, le champ ne réagit pas d'une manière cohérente. Par contre, quand l'esprit et le corps œuvrent de concert, quand nos pensées et nos émotions sont alignées, quand nous sommes dans un nouvel état d'être, nous émettons un signal cohérent sur les ondes de l'invisible. Ajoutons maintenant une autre pièce au puzzle. Pour que ces résultats que nous nous attirons changent notre réalité, la manière dont ils surviennent doit nous surprendre et même nous étonner. Nous ne devrions jamais pouvoir prédire comment nos créations se manifesteront. Elles doivent nous prendre au dépourvu. Elles doivent nous éveiller du rêve de la réalité routinière à laquelle nous nous sommes accoutumés. Quand ces manifestations surviennent, nous ne devons pas avoir le moindre doute que notre conscience a établi le contact avec le champ quantique de l'intelligence, de sorte que nous serons inspirés à recommencer. C'est là toute la joie du processus créateur. Entretenez une intention claire de votre désir, mais laissez les détails du comment à l'imprévisibilité du champ quantique. Laissez ce dernier orchestrer l'événement de la meilleure façon qui vous convienne. Si vous devez vous attendre à quelque chose, que ce soit à l'inattendu. Abandonnez-vous, faites confiance, et ne vous préoccupez pas de la façon dont l'événement souhaité se produira. C'est là le plus grand obstacle à surmonter, car nous, humains, voulons toujours contrôler une réalité future en essayant de la recréer telle qu'elle était dans une réalité antérieure. Le nouveau modèle de la réalité nous force en tant que créateurs quantiques à nous changer intérieurement, dans notre esprit et dans notre corps, dans nos pensées et nos sentiments, avant de pouvoir connaître un changement extérieur perceptible par nos sens. Quand nous sommes dans un état de gratitude, nous transmettons dans le champ quantique un signal signifiant qu'un événement s'est déjà produit. La gratitude est plus qu'un processus intellectuel. Vous devez ressentir que l'objet de votre désir, quel qu'il soit, se trouve dans votre réalité à cet instant précis. Par conséquent, votre corps, qui ne comprend que les émotions, doit être convaincu qu'il possède le quotient émotionnel de l'expérience future et que celle-ci vous arrive maintenant. L'intelligence universelle et le champ quantique. J'espère que vous acceptez les quelques idées de base du modèle quantique, soit que toute réalité physique est principalement de l'énergie présente dans un vaste réseau interconnecté dans l'espace-temps. Ce réseau, le champ quantique, renferme toutes les possibilités que nous pouvons transformer en réalité par nos pensées, la conscience, par l'observation, les émotions et l'état d'être. C'est l'intelligence universelle qui donne la vie à ce champ et à tout ce qu'il contient, y compris vous et moi. Ce pouvoir est l'esprit universel qui anime aussi chaque aspect de l'univers matériel. Cette intelligence fait que notre cœur bat, que notre estomac digère la nourriture, et elle supervise un nombre incalculable de réactions chimiques par seconde dans chacune de nos cellules. De plus, la même conscience fait que les arbres donnent des fruits et que les lointaines galaxies se forment et s'effondrent. Parce qu'elle existe toujours et partout, et qu'elle exerce son pouvoir en nous et autour de nous, cette intelligence est à la fois personnelle et universelle. Comme extension de cette intelligence, nous pouvons l'imiter. Il faut comprendre que cette intelligence universelle possède cette même conscience qui nous rend individuels. Même si ce pouvoir est universel et objectif, il possède une conscience de soi et de sa capacité d'agir dans l'univers matériel. Il est également parfaitement conscient à tous les niveaux, c'est-à-dire non seulement conscient de lui-même, mais aussi de vous et moi. Comme cette conscience remarque tout, elle nous observe avec attention. Elle est consciente de nos pensées, de nos rêves et de nos désirs. Elle observe tout ce qui existe sous une forme physique. Nous avons évoqué deux aspects de la conscience. La conscience-intelligence, objective du champ quantique, et la conscience subjective, qui est individuelle et libre. Quand nous imitons les propriétés de cette conscience, nous devenons des créateurs. Quand nous sommes en résonance avec cette intelligence d'amour, nous devenons semblables à elle. Celle-ci orchestre alors un événement, une réaction énergétique qui correspond à ce que l'esprit subjectif a mis dans le champ quantique. Quand nous incarnons cette conscience universelle, nous devenons le pouvoir supérieur qui transcende le passé, qui guérit le présent et qui ouvre la porte du futur. Ce que nous émettons nous revient. Voici maintenant comment cette orchestration d'événements fonctionne dans notre vie. Si nous avons connu la souffrance, et si nous l'entretenons dans notre esprit et notre corps en l'exprimant par nos pensées et nos émotions, nous émettons cette signature énergétique dans le champ quantique. L'intelligence universelle réagit en émettant dans notre vie un autre événement qui reproduira la même réaction intellectuelle et émotionnelle. Nos pensées et nos émotions émettent un signal, attirent dans notre vie un événement correspondant à cette fréquence vibratoire émotionnelle, c'est-à-dire une bonne raison de souffrir. En un sens très réel, nous demandons en tout temps une preuve de l'existence de l'intelligence universelle et elle envoie en tout temps un feedback dans notre environnement extérieur. Voilà notre pouvoir. La question au cœur de cet enregistrement est la suivante. Pourquoi n'émettons-nous pas un signal qui créera pour nous un résultat positif Comment pouvons-nous changer de manière que le signal que nous émettrons correspondra à ce que nous désirons voir se manifester dans notre vie Nous changerons quand nous croirons parfaitement que nous produirons un effet observable et inattendu si nous choisissons la pensée signal que nous émettons. Avec cette intelligence objective, nous ne sommes pas punis pour nos péchés, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions et nos actions, mais par eux. Quand nous projetons dans le champ quantique un signal fondé sur les pensées et les émotions, telle la souffrance, née d'une expérience indésirable vécue dans le passé, il n'est pas étonnant que le champ réagisse de la même façon négative. Combien de fois avez-vous murmuré ces mots Je ne peux pas croire que ça m'arrive. Selon votre nouvelle compréhension de la nature de la réalité, voyez-vous maintenant que ces affirmations reflètent votre acceptation du modèle newtonien-cartésien, dans lequel vous êtes une victime de la loi de cause à effet Voyez-vous que vous êtes parfaitement capable de causer vous-même un effet Voyez-vous qu'au lieu de réagir de la façon mentionnée plus haut, vous pourriez vous demander ⁇ Comment puis-je penser, ressentir et me comporter différemment pour produire l'effet ?⁇ le résultat que je veux. Notre mission consiste donc à entrer délibérément dans l'état de conscience qui permet une connexion avec l'intelligence universelle, à établir un contact direct avec le champ de possibilités et à émettre un signal clair signifiant que nous désirons vraiment changer et voir se manifester sous forme de rétroaction dans notre vie les résultats souhaités. Demandez un feedback quantique. Lorsque vous créez délibérément, demandez à la conscience quantique de vous fournir un signe indiquant que vous avez établi le contact avec elle. Osez demander des synchronies liées au résultat précis désiré. Si vous le faites, c'est que vous êtes suffisamment audacieux pour vouloir savoir que cette conscience est réelle et qu'elle est consciente de vos efforts. Une fois que vous aurez accepté cela, vous pourrez créer dans un état de joie et d'inspiration. La physique quantique est un non-sens. Le champ quantique est une réalité multidimensionnelle qui existe au-delà de nos sens, dans un monde où il n'y a pas de corps, d'objets, ni de temps. Par conséquent, pour y entrer et pour créer à partir de ce paradigme, vous devez oublier le corps pendant un moment et détourner temporairement votre attention de l'environnement extérieur, c'est-à-dire tout ce à quoi vous vous identifiez. Votre conjoint, vos enfants, vos biens et vos problèmes font tous partie de votre environnement externe, et vous vous identifiez par eux au monde extérieur. Enfin, il vous faut aussi perdre de vue le temps linéaire. Au moment où nous observons intentionnellement une expérience future potentielle, nous devons être présents au point que notre esprit ne vacille plus entre les souvenirs du passé et les attentes d'un futur qui est toujours le même. Ce faisant, nous régnons sur l'environnement, sur notre corps et sur le temps. Puisque le monde subatomique du champ quantique est fait de conscience pure, on ne peut y pénétrer que par la conscience pure. On ne peut en franchir le seuil que si on oublie le corps. Le cerveau possède la capacité innée de le faire. Quand vous comprendrez que vous êtes parfaitement équipé pour laisser le monde derrière vous et pénétrer dans une nouvelle réalité hors du temps et de l'espace, vous serez naturellement inspiré à l'appliquer dans votre vie. aller au-delà de l'espace et du temps. Dans le champ quantique, les possibilités infinies de matérialiser la réalité sont hors du temps et de l'espace parce qu'une potentialité n'existe pas encore. Si elle n'existe pas, elle n'a pas d'emplacement spatial ni temporel. Tout ce qui n'a pas d'existence matérielle, c'est-à-dire tout ce dont les ondes de probabilité ne sont pas effondrées en une réalité de particules, existe hors du temps et de l'espace. Puisque le champ quantique n'est que possibilités immatérielles, il se situe hors de l'espace et du temps. Dès que nous observons l'une de ces possibilités infinies et que nous lui donnons une réalité matérielle, elle acquiert ces deux caractéristiques. Pour l'instant, il importe de savoir que pour entrer dans le champ quantique, qui existe hors du temps et de l'espace, vous devez entrer dans un état similaire. Avez-vous déjà vécu une situation où le temps et l'espace semblaient avoir disparu Par exemple, lorsque vous êtes préoccupé par un problème en conduisant votre voiture, vous oubliez votre corps, vous n'êtes plus conscient de votre perception spatiale, vous oubliez l'environnement le monde extérieur disparaît et vous oubliez le temps vous n'avez aucune idée de la durée de votre absence en de tels moments vous êtes sur le seuil de la porte donnant accès au champ quantique et à la collaboration avec l'intelligence universelle en résumé vous avez déjà rendu la pensée plus réelle que tout changez l'esprit change la vie vous le pouvez. Ce qui a profondément changé ma vie et celle de tant d'autres personnes, c'est le fait de comprendre qu'il s'agit simplement de perdre l'habitude d'être soi-même afin de modifier son esprit et donc de vivre de nouvelles expériences et de recevoir de nouvelles intuitions. Quand nous transcendons nos sens, quand nous comprenons que nous ne sommes pas prisonniers de notre passé, quand nous menons une existence qui dépasse le corps, l'environnement et le temps, tout est possible. L'intelligence universelle qui anime l'existence de toute chose vous surprendra autant qu'elle vous enchantera. Elle ne veut rien d'autre que vous donner accès à tout ce que vous désirez. Bref, quand nous modifions notre esprit, nous modifions notre vie. le point de départ de nos pensées et de nos sentiments. La plupart des gens sont concentrés sur trois choses. Leur environnement, leur corps et le temps. Pour rompre avec vous-même, si vous désirez changer, vous devez entretenir la pensée d'un soi idéal, d'un modèle que vous pouvez imiter et qui est différent et meilleur que celui qui existe aujourd'hui dans votre environnement particulier, dans votre corps et dans le temps. Nos souvenirs constituent notre environnement interne. Avant de considérer comment rompre avec vous-même, je ferai appel au sens commun pour quelques instants. Comment cette habitude de toujours entretenir les mêmes pensées et les mêmes émotions a-t-elle débuté Je ne peux répondre qu'en parlant du cerveau, le point de départ de nos pensées et de nos sentiments. Selon les théories neuroscientifiques actuelles, le cerveau est organisé de façon à réfléchir dans notre environnement tout ce que nous savons. Toute l'information reçue dans notre existence sous la forme d'un savoir et d'expérience est emmagasinée dans les connexions synaptiques du cerveau. Dès lors, toutes nos expériences personnelles concernant des gens et des choses, à des moments et des endroits spécifiques, sont littéralement reflétées dans les réseaux de neurones, cellules nerveuses, qui constituent notre cerveau. En très grande partie, notre cerveau est le reflet de notre environnement. Il contient les archives de notre passé personnel et il est le miroir de l'existence que nous avons vécue. Si nos pensées déterminent notre réalité et que nous continuons à entretenir les mêmes pensées, qui sont le produit et le reflet de l'environnement, nous continuons à créer la même réalité jour après jour. Ainsi, nos pensées et nos sentiments correspondent exactement à notre réalité extérieure, car c'est celle-ci, avec tous ses problèmes, toutes ses conditions et ses circonstances, qui influence nos pensées et nos émotions dans notre réalité intérieure. En réagissant avec le même attirail cérébral correspondant à ce que vous vous rappelez, vous créez un état d'esprit identique à celui du passé parce que votre cerveau stimule automatiquement des circuits existants pour refléter tout ce que vous savez déjà, ce que vous avez vécu et que vous pouvez donc prévoir. Selon la loi quantique, qui à propos travaille toujours en votre faveur, votre passé devient maintenant votre futur. Réfléchissez à ceci. Quand vous pensez à partir dans vos souvenirs, vous ne pouvez créer que des expériences semblables à celles du passé. C'est ainsi que nous demeurons branchés sur ce passé en suivant une série inconsciente de comportements automatiques. Si le monde quantique nous montre que l'environnement est le prolongement de notre esprit, et que cet esprit et la matière ne font qu'un, alors, tant que votre esprit demeurera le même, votre vie perpétuera le statu quo. Voyez la chose ainsi. Comme l'apport demeure le même, le résultat reste aussi le même. Comment pourriez-vous créer quelque chose de nouveau Il existe en neurosciences un principe appelé la loi de Hebb, qui démontre que si nous stimulons à répétition les mêmes cellules, il leur est plus facile de travailler ensemble chaque fois qu'elles s'activent. Ces neurones finissent par développer une relation à long terme. Je veux dire que des groupes de neurones ont été stimulés tellement souvent de la même façon, Qu'ils se sont organisés en schèmes spécifiques, avec des connexions durables. Plus ces réseaux neuronaux sont stimulés, plus ils se relient dans des voies d'activité statique. Avec le temps, quel que soit le comportement, la pensée ou le sentiment souvent répété, ils deviennent une habitude inconsciente automatique. Quand notre environnement influence notre esprit à ce point, l'habitude devient notre habitat. Avec le temps, votre pensée deviendra cloisonnée parce que votre cerveau stimulera un nombre limité de circuits qui créeront alors une signature mentale très spécifique. Cette signature est votre personnalité. Comment se forme l'habitude d'être soi-même cette habitude neuronale a pour effet que les deux réalités de l'esprit et du monde extérieur semblent presque inséparables. Heureusement, comme nous avons créé nous-mêmes cette boucle, nous pouvons y mettre fin. Le modèle quantique de la réalité nous apprend que pour changer notre vie, nous devons fondamentalement changer notre manière de penser, d'agir et de ressentir. Nous devons modifier notre état d'être. Comme ceci constitue essentiellement notre personnalité, c'est notre personnalité qui crée notre réalité personnelle. Dès lors, pour créer une nouvelle réalité personnelle, une nouvelle vie, nous devons créer une nouvelle personnalité. Nous devons devenir quelqu'un d'autre. Changer, c'est penser et agir plus grand que nos circonstances présentes et notre environnement. La grandeur consiste à maintenir un rêve indépendant de l'environnement. Avant d'examiner les façons possibles de penser plus grand que l'environnement, et donc de rompre avec l'habitude d'être soi-même, je tiens à vous rappeler une chose. Quand le comportement d'un individu correspond à ses intentions, quand ses actions correspondent à ses pensées, quand son esprit et son corps travaillent de concert, quand ses paroles et ses actes concordent, cet individu possède un pouvoir immense. Lorsqu'une personne entretient un rêve indépendant de son environnement, il atteint la grandeur. Nous verrons plus loin que le dépassement de l'environnement est inextricablement lié à celui du corps et du temps. Se peut-il que chez tous les géants de l'histoire, les idées se développaient dans le laboratoire de leur esprit à un point tel que pour leur cerveau, l'expérience était déjà produite Pourriez-vous également modifier votre être par le seul pouvoir de la pensée L'exercice mental. Comment nos pensées peuvent devenir notre expérience Les neurosciences ont prouvé que nous pouvions modifier notre cerveau, et donc nos croyances, nos attitudes et notre comportement, simplement par la pensée, autrement dit, sans rien changer à notre environnement. Par l'exercice mental, imaginez plusieurs fois l'accomplissement d'une action, les circuits cérébraux peuvent se réorganiser afin de refléter notre objectif. Nous pouvons rendre nos pensées si réelles, que le cerveau se modifie pour faire comme si l'événement était déjà une réalité physique. Nous pouvons le modifier de façon qu'il soit en avance sur une expérience réelle qui surviendra plus tard dans notre monde extérieur. Qu'il s'agisse d'acquérir une aptitude physiquement ou mentalement, quatre éléments sont nécessaires pour modifier notre cerveau apprendre la connaissance requise, recevoir un enseignement pratique, Prêter attention et s'exercer. L'apprentissage consiste à établir des connexions synaptiques. L'enseignement pratique fait connaître au corps une nouvelle expérience qui enrichit davantage le cerveau. Quand nous prêtons attention et que nous exerçons convenablement notre nouvelle aptitude, le cerveau se modifie. L'exercice mental est un outil important pour perdre l'habitude d'être nous-mêmes. Si nous pensons répétitivement à quelque chose à l'exclusion de tout le reste, arrive un moment où la pensée devient l'expérience. Quand cela se produit, le matériel neuronal est reconfiguré pour refléter la pensée comme expérience. C'est le moment où la pensée modifie le cerveau et donc notre esprit. Pour réussir à perdre l'habitude d'être nous-mêmes, il est crucial de comprendre que ce changement neurologique peut survenir en l'absence d'interaction physique dans l'environnement. Si nous pouvons modifier le cerveau avant de vivre un événement désiré, nous créerons les circuits neuronaux appropriés qui nous permettront de nous comporter en accord avec nos intentions avant qu'elles ne deviennent une réalité. En vous exerçant mentalement à mieux penser, à mieux agir ou à mieux être, vous installerez le matériel neuronal nécessaire pour vous préparer physiologiquement au nouvel événement. En réalité, vous ferez davantage. Le matériel cérébral est la structure physique du cerveau, son anatomie jusqu'aux neurones. Si vous continuez à installer votre matériel neurologique, à le renforcer et à le perfectionner, il en résultera un réseau neuronal, soit un nouveau logiciel tout comme les programmes informatiques, ce programme, par exemple un comportement, une attitude ou un état émotionnel, fonctionnera alors automatiquement. Vous aurez alors préparé votre cerveau à une nouvelle expérience et votre esprit sera vraiment prêt à relever le défi. Lorsque nous modifions notre esprit, le cerveau se modifie. Et lorsque nous modifions le cerveau, notre esprit se modifie. Ainsi, quand viendra le temps de démontrer une vision contraire aux conditions environnementales régnantes, il est fort possible que vous soyez déjà préparé à penser et à agir avec une conviction inébranlable. En fait, plus vous formulerez l'image de votre comportement dans un événement futur, plus il vous sera facile d'exécuter une nouvelle manière d'être. Êtes-vous capable de croire à un futur que vous ne pouvez pas encore voir ni expérimenter avec vos sens, mais auquel vous avez pensé assez souvent pour que votre esprit se modifie de façon à y ressembler Si oui, votre cerveau n'est plus un registre du passé, car il est devenu une carte géographique du futur. Maintenant que vous savez comment vous pouvez modifier votre cerveau seulement par la pensée, vous est-il possible de modifier votre corps pour qu'il ait l'air, lui aussi, d'avoir vécu une expérience en avance sur la situation réelle souhaitée Notre esprit est-il puissant à ce point Transcendez le corps Chaque fois que nous avons une pensée, une réaction chimique s'ensuit dans le cerveau. Nous fabriquons une substance chimique. Pour comprendre ce processus, comment la pensée est en accord avec le corps et comment former un nouvel esprit, vous devez d'abord apprécier le rôle que joue dans votre vie votre cerveau et ses réactions chimiques. Au cours des dernières décennies, nous avons découvert que le cerveau et le reste du corps étaient en interaction au moyen de puissants signaux électrochimiques. Entre nos oreilles existe une importante usine chimique qui orchestre une myriade de fonctions corporelles. Mais ne vous inquiétez pas, il s'agit ici de chimie cérébrale 101 et vous n'aurez besoin de connaître que le sens de quelques termes. Toutes les cellules ont sur leur surface des récepteurs qui reçoivent de l'information de l'extérieur. Quand il y a correspondance chimique, vibratoire et électrique, entre un récepteur et un signal en provenance de l'extérieur, la cellule est activée pour accomplir certaines tâches. Les neurotransmetteurs, les neuropeptides et les hormones sont les substances chimiques de cause à effet qui interviennent dans l'activité cellulaire et le fonctionnement du corps. Ces trois substances chimiques, appelées ligands, se connectent à la cellule, interagissent avec elle ou l'influencent en une fraction de seconde. Pour les besoins de notre propos, considérons les neurotransmetteurs comme des messagers chimiques provenant surtout du cerveau et de l'esprit. Les neuropeptides comme des signaleurs, servant de lien entre le cerveau et le corps, pour que nous ressentions ce que nous pensons. Et les hormones comme les substances chimiques associées aux émotions, principalement dans le corps. Par exemple, quand nous avons un fantasme sexuel, ces trois facteurs entrent en action. Dès les premières pensées, le cerveau attise certains neurotransmetteurs qui activent un réseau de neurones, ce qui crée des images mentales. Puis, ces substances chimiques suscitent la libération de neuropeptides spécifiques dans le flux sanguin. Quand ceux-ci atteignent les glandes sexuelles, ils se lient aux cellules de ces tissus. Ils activent le système hormonal et le plaisir commence subito presto. Nous avons rendu tellement réelles nos pensées fantasmatiques que le corps se prépare peu à peu à une expérience sexuelle réelle, en avance sur l'événement. Voilà à quel point l'esprit et le corps sont liés. Par conséquent, quand nous entretenons des pensées d'amour ou de joie, nous produisons des substances chimiques qui nous rendent aimants ou joyeux. Il en est de même si nous entretenons des pensées de crainte ou d'impatience. En quelques secondes à peine, nous nous sentons négatifs, anxieux ou impatients. Une certaine synchronie a lieu entre le cerveau et le corps. En fait, lorsque nous commençons à ressentir nos pensées, parce que le cerveau est en communication constante avec le corps, nous commençons à penser ce que nous ressentons. Le cerveau vérifie constamment ce que le corps ressent. Selon la réaction chimique qu'il reçoit, il génère davantage de pensées produisant les substances chimiques correspondant à ce que le corps ressent, de sorte que nous commençons à ressentir ce que nous pensons, puis à penser ce que nous ressentons. Pour l'instant, nous dirons que les pensées sont principalement associées à l'esprit et au cerveau, et que les émotions sont associées au corps. Par conséquent, lorsque les émotions du corps s'alignent sur les pensées d'un état d'esprit particulier, l'esprit et le corps travaillent ensemble. Comme nous l'avons vu, quand l'esprit et le corps sont à l'unisson, le résultat final est un état d'être. On pourrait dire également que l'interaction continuelle de la pensée et de l'émotion crée un état d'être qui exerce des effets sur notre réalité. Un état d'être Suppose que nous nous sommes familiarisés avec un état mental émotionnel, une façon de penser et de ressentir qui est devenue partie intégrante de notre identité. Nous nous définissons donc parce que nous pensons et ressentons ou parce que nous sommes dans l'instant présent. Je suis fâché, je souffre, je suis inspiré. Quand nous entretenons les mêmes pensées, et que nous éprouvons les mêmes émotions pendant des années, et que nos pensées correspondent à ces émotions, le hamster dans sa cage, nous créons un état d'être mémorisé que nous considérons comme un absolu. Nous en sommes rendus au point de nous définir par cet état d'être. Nos pensées et nos émotions ont fusionné. Ces sentiments particuliers mémorisés contribuent à tous nos traits de personnalité. Changer c'est penser plus grand que nos émotions. Changer, c'est agir plus grand que les émotions familières du soi mémorisé. Pénétrer dans le subconscient pour le changer. Quand vous essayez d'utiliser l'esprit conscient pour arrêter les programmes subconscients automatiques stockés dans votre corps, c'est comme si vous vous mettiez à crier à un ordinateur fou qui exécute plusieurs programmes en même temps, et dont l'écran fait surgir plus de fenêtres que vous ne pouvez en gérer hey, ⁇ Hé, arrête !⁇ L'ordinateur n'enregistrera même pas votre ordre. Il continuera ainsi jusqu'à ce que vous interveniez, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous changiez certains paramètres du système d'exploitation. Cet ouvrage vous apprendra donc comment entrer dans le subconscient et le reprogrammer avec une nouvelle série de stratégies. Vous devez en effet désapprendre ou débrancher votre vieille pensée et vos vieux schémas émotionnels, puis réapprendre ou rebrancher dans votre cerveau de nouveaux schémas de pensée et d'émotion fondés sur ce que vous désirez être. Quand nous conditionnons le corps avec un nouvel esprit, tous deux ne peuvent plus travailler en opposition et doivent être en harmonie. Nous en sommes alors au stade du changement ou de l'autocréation. Il est facile de se sentir impuissant quand on réalise que la chimie de nos émotions a habitué notre corps à un état d'être qui est trop souvent un produit de la colère, de la jalousie, du ressentiment, de la tristesse et ainsi de suite. Ces programmes, ces propensions sont enfouis dans le subconscient. Heureusement, nous pouvons prendre conscience de ces tendances. Pour l'instant, j'espère que vous admettez qu'il faut, pour modifier votre personnalité, modifier d'abord votre état d'être, qui est intimement lié aux émotions que vous avez mémorisées. Les émotions négatives peuvent s'intégrer dans le système d'exploitation du subconscient, mais les émotions positives le peuvent aussi. La pensée positive consciente ne peut pas vaincre par elle-même les sentiments négatifs subconscients. À un moment ou à un autre, nous avons tous déclaré consciemment que nous voulions être heureux. Toutefois, le corps continue à exprimer ses programmes de culpabilité, de tristesse ou d'anxiété tant qu'il ne reçoit pas d'instruction contraire. L'esprit intellectuel conscient peut se dire qu'il désire la joie. Mais le corps a été programmé autrement pendant des années. C'est comme si vous étiez subconsciemment malheureux. Votre corps est conditionné négativement et il sait mieux comment être malheureux que votre esprit conscient ne sait comment être heureux. Si l'esprit et le corps sont en opposition, le changement ne surviendra jamais. Les émotions mémorisées nous limitent dans la récréation du passé. Par définition, les émotions sont le produit final d'expériences passées. Quand nous vivons une expérience, le cerveau reçoit de l'information vitale de l'environnement extérieur par cinq voies sensorielles distinctes, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le toucher. Lorsque ces données sensorielles accumulées atteignent le cerveau et y sont traitées, les réseaux neuronaux s'organisent en chaînes spécifiques reflétant l'événement extérieur. Au moment où ces cellules nerveuses se mettent en place, le cerveau libère des substances chimiques appelées émotions ou sentiments. Lorsque ces émotions inondent chimiquement le corps, nous détectons un changement dans notre ordre interne nous pensons et ressentons autre chose que quelques instants auparavant. Naturellement, quand nous remarquons ce changement survenu dans notre état intérieur, nous prêtons attention à ce qui se trouve dans notre environnement extérieur. Si nous pouvons identifier ce qui, dans notre monde extérieur, a causé un changement intérieur, cet événement s'appelle un souvenir. Neurologiquement et chimiquement, nous inscrivons cette information environnementale dans notre cerveau et dans notre corps. Nous pouvons ainsi nous rappeler mieux nos expériences parce que nous nous souvenons de ce que nous avons ressenti au moment où nous les avons vécues. Les sentiments et les émotions sont un registre chimique des expériences passées. Vos émotions deviennent alors votre mode de pensée. Puisqu'elles constituent un registre des expériences passées, vous pensez dans le passé. Selon la loi quantique, vous créez davantage de passé. Ainsi, quand nous voulons envisager le futur et rêvons de nouveaux paysages dans notre réalité immédiate, le corps, dont les émotions sont le langage, résiste à ce changement subit de direction. Cette volte-face constitue le grand travail du changement personnel. Beaucoup de gens luttent pour se créer une nouvelle destinée, mais s'avèrent incapables de dépasser le souvenir de leur opinion d'eux-mêmes. Même si nous avons soif de nouvelles aventures et rêvons de possibilités futures, nous semblons contraints de revisiter le passé. Si nous croyons que nos pensées ont quelque chose à voir avec notre destinée, la plupart d'entre nous ne font toutefois que tourner en rond comme créateurs. Il y a environ deux décennies, la communauté scientifique a annoncé que l'environnement, en activant ou désactivant certains gènes, était le facteur le plus important dans l'apparition de la maladie. Nous savons maintenant que moins de 5% des maladies sont dues à des désordres génétiques, tandis qu'environ 95% sont liés à des choix de mode de vie, au stress chronique et à des facteurs environnementaux toxiques. Il est vrai que l'environnement extérieur influence notre environnement intérieur. Cependant, pouvons-nous, en changeant notre état d'être intérieur, vaincre les effets d'un environnement toxique ou stressant, de sorte que certains gènes ne soient pas activés Nous ne pouvons peut-être pas contrôler toutes les conditions de notre environnement extérieur, mais nous avons certainement le choix de contrôler notre environnement intérieur. Les gènes, des souvenirs d'un environnement antérieur. Nos gènes peuvent se modifier autant que notre cerveau. Les recherches les plus récentes en génétique démontrent que divers gènes sont activés à divers moments. Ils sont toujours en flux et influencés. Il existe des gènes dépendants de l'expérience qui sont activés quand il y a croissance, guérison ou apprentissage, et il existe des gènes dépendants de l'état comportemental qui sont influencés en période de stress, d'excitation émotionnelle ou de rêve. Simplement en changeant nos pensées, nos sentiments, nos réactions émotionnelles et nos comportements, nous envoyons de nouveaux signaux à nos cellules qui expriment alors de nouvelles protéines sans changer de plan génétique. Toutefois, si nous ne faisons que revivre nos souvenirs émotionnels, nous nous dirigeons vers une fin prévisible. Notre corps créera les conditions génétiques des générations précédentes. Donc, le corps ne changera pas tant que nous éprouverons les mêmes émotions jour après jour. Selon le modèle quantique, nous sommes en mesure de donner un signal émotionnel au corps et d'entreprendre la modification d'une chaîne d'événements génétiques sans avoir d'abord vécu l'expérience physique réelle correspondant à cette émotion. Quand nous avons vécu un événement plusieurs fois en répétant mentalement chacun de ses aspects, nous ressentons cet événement avant qu'il ne se déroule. En modifiant nos circuits cérébraux par des pensées nouvelles et en éprouvant les émotions d'un événement avant sa manifestation physique, il est possible de modifier notre corps génétiquement. Quand nous avons exercé en pensée une réalité future jusqu'à ce que le cerveau se modifie physiquement comme s'il avait vécu l'expérience, et que nous avons adopté émotionnellement une nouvelle intention assez de fois pour que le corps se modifie comme s'il avait vécu l'expérience, c'est que ce moment nous a rejoints. Et cela surviendra de la façon la moins prévisible, ce qui ne laissera planer aucun doute sur le fait que cela provient de notre relation avec une conscience supérieure. Voilà pourquoi nous voudrons récidiver. Transcendez le temps. Le subconscient contient la plupart des processus physiques et mentaux qui ont lieu en dessous du niveau conscient. La plupart de ces activités sont liées au fonctionnement corporel. Les scientifiques appellent ce système régulateur système nerveux autonome. Nous n'avons pas à penser consciemment à respirer, à faire battre notre cœur ni à aucune des milliers de fonctions qui contribuent au maintien de l'ordre et de la santé du corps. Vous voyez sans doute maintenant le danger potentiel de céder le contrôle de nos réactions émotionnelles quotidiennes au système automatique de nos souvenirs et de l'environnement. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est si difficile de changer. L'esprit conscient se trouve peut-être dans l'instant présent, mais le corps-esprit subconscient vit dans le passé. Par exemple, notre expérience concernant une personne ou une chose particulière à un moment précis et à un endroit spécifique nous fait automatiquement, ou d'une manière autonome, réagir physiologiquement. Une fois que nous avons délogé les dépendances émotionnelles enracinées dans le passé, nous n'y sommes plus jamais attirés et nous ne subissons plus l'effet des programmes automatiques de notre vieille personnalité. On comprend alors que même si nous pensons ou croyons vivre dans le présent, il est fort possible que notre corps vive dans le passé. Nos traits de personnalité sont fréquemment fondés sur nos émotions passées. La plupart du temps, la personnalité, notre façon de penser, d'agir et de ressentir, est ancrée dans le passé. Pour la modifier, nous devons changer les émotions que nous avons mémorisées. Il faut nous libérer du passé. Vivez dans le précieux présent, le futur que vous désirez. Vous possédez toute la machine neurologique nécessaire pour transcender le temps et pour en développer l'aptitude. M'adressant à des groupes un peu partout sur le globe, j'ai demandé à des membres de l'auditoire de décrire des moments créatifs où ils avaient été tellement impliqués dans ce qu'ils faisaient, ou tellement détendus et à l'aise qu'ils avaient eu l'impression d'être dans un état de conscience modifié. J'ai vécu plusieurs de ces moments en rédigeant cet ouvrage. Les bonjours, quand l'écriture vient facilement, c'est comme si mes mains et mon clavier étaient une extension de mon esprit. Je ne suis pas conscient du mouvement de mes doigts. Les arbres présents dans ma fenêtre disparaissent et je suis complètement absorbé dans les mots que je fais apparaître sur l'écran de mon ordinateur. Parfois, je me rends compte qu'il s'est écoulé une heure alors que j'avais l'impression qu'il ne s'était passé qu'un instant. La même chose vous est sûrement arrivée en conduisant votre voiture, en regardant un film, en jouant du piano ou simplement en flânant dans la nature. Personnellement, je me sens souvent ragaillardie après de tels moments où mon environnement, mon corps et le temps ont semblé disparaître. Je m'aperçois que ces moments sont plus fréquents qu'auparavant. Avec un peu d'entraînement, j'ai pu faire en sorte qu'il ne soit plus aussi accidentel ou fortuit qu'auparavant. Pour se créer une nouvelle personnalité, il est essentiel de transcender l'environnement, le corps et le temps afin de faciliter l'apparition de ces moments privilégiés. La survie versus la création. La survie, vivre en étant quelqu'un. Nous acceptons presque tous l'idée traditionnelle que nous sommes quelqu'un. Pourtant, ce que nous sommes réellement, c'est une conscience connectée à un champ d'intelligence quantique. Si, comme le veut le modèle quantique de la réalité, tout est énergie, pourquoi nous considérons-nous comme des êtres physiques plutôt que des êtres énergétiques. On pourrait dire que les émotions, énergie en mouvement, liées à la survie, sont de basse fréquence. Vibrant à une longueur d'onde moindre, elles nous enracinent dans le monde physique. Nous devenons plus denses et plus lourds parce que cette énergie nous fait vibrer plus lentement. Le corps devient littéralement composé de davantage de masse et de moins d'énergie davantage de matière et moins d'esprit. Il est donc logique que si nous inhibons nos émotions primitives de survie, et si nous nous libérons de leur emprise, notre énergie, alors d'une plus haute fréquence vibratoire, sera moins susceptible de nous enraciner dans le corps. D'une certaine façon, quand le corps est devenu l'esprit, nous pouvons libérer son énergie dans le champ quantique. Comme nos émotions sont plus élevées, nous atteignons naturellement un niveau de conscience supérieur et plus proche de la source. Nous sommes mieux connectés à l'intelligence universelle. La dépendance au quelqu'un. Quand une réaction au stress est activée, que la menace soit réelle ou imaginaire, une intense cascade de substances chimiques déferle dans notre système et nous procure un puissant élan d'énergie, réveillant momentanément notre corps et certaines parties du cerveau pour diriger toute notre attention sur les trois grands facteurs, ce qui crée une forte dépendance, car c'est comme de boire un triple espresso, nous sommes allumés pendant un bon moment. Avec le temps, nous devenons inconsciemment dépendants de nos problèmes, de notre situation défavorable ou de nos relations malsaines. Nous les conservons dans notre vie pour alimenter notre dépendance aux émotions de survie, afin de nous rappeler que nous sommes quelqu'un. Nous aimons la poussée d'énergie que nous procurent nos problèmes. De plus, nous associons cette euphorie émotionnelle à toutes les personnes, à toutes les expériences et à tous les endroits qui nous sont familiers nous devenons dépendants de ces éléments de notre environnement que nous adoptons comme identité. Si nous pouvons déclencher la réaction au stress par la pensée, il tombe sous le sens que nous pouvons obtenir ainsi le même effet des substances chimiques du stress que si nous étions pourchassés par un prédateur. Conséquemment, nous devenons dépendants de nos pensées. Ainsi, nos pensées et nos émotions, qui sont surtout limitatives, nous raccrochent à tous les problèmes, à toutes les conditions, à tous les facteurs de stress et à tous les mauvais choix qui ont produit au départ l'état d'alerte. Qu'il s'agisse d'un mauvais emploi ou d'une mauvaise relation amoureuse, nous entretenons nos problèmes parce qu'ils renforcent le quelqu'un que nous sommes. Ils nourrissent notre dépendance aux émotions de basse fréquence. Quand l'ego subit un stress constant, sa priorité est le moi d'abord. Oublier les gens que nous connaissons, nos problèmes, nos biens matériels, les endroits où nous allons régulièrement, perdre de vue le temps, transcender le corps et son besoin d'alimenter ses habitudes, penser ou rêver en dépassant nos émotions et désirer ardemment l'inconnu, voilà comment nous commencerons à nous libérer de notre vie présente. La création, vivre en étant personne. Vivre en état de création, c'est vivre en étant personne. On pourrait dire que quand vous êtes dans un état créatif, vous oubliez qui vous êtes. Vous mettez de côté votre soi égocentrique. Vous avez transcendé le temps et l'espace pour devenir conscience pure et immatérielle. Vous ne pouvez pas y entrer si vous êtes quelqu'un car il faut n'être personne pour pouvoir le faire. Vous devez laisser votre ego à la porte et entrer dans le domaine de la conscience en tant que conscience pure. Comme je l'ai précisé précédemment, pour modifier votre corps, changer votre situation ou votre calendrier, vous devez les transcender. Il vous faut abandonner les trois grands facteurs pour pouvoir les contrôler. Le lobe frontal, domaine de la création et du changement. Quand nous sommes en mode création, nous activons le centre récréatif du cerveau, le lobe frontal. C'est le centre créatif de notre personnalité où se prennent toutes les décisions. Le lobe frontal est le siège de l'attention, de la concentration, de l'observation et de la conscience. C'est là que nous évaluons les possibilités que nous démontrons une intention ferme, que nous prenons des décisions conscientes, que nous contrôlons les comportements impulsifs et émotionnels, et que nous intégrons de nouvelles connaissances. Le lobe frontal remplit trois fonctions essentielles qui entreront en jeu lorsque vous pratiquerez les étapes de la méditation décrites dans la dernière partie de cet enregistrement et qui vous feront rompre avec vous-même. 1. La métacognition. Devenir conscient de soi pour inhiber les états indésirables de l'esprit et du corps. 2. Créer un nouvel esprit pour penser à de nouveaux modes d'être. 3. Rendre la pensée plus réelle que tout. Quand nous sommes dans un état créateur, le lobe frontal est très activé. Et il réduit le volume des circuits du reste du cerveau afin qu'une pensée unique soit traitée. En présence de très peu d'activité neuronale, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'esprit pour traiter l'apport sensoriel, pour activer les mouvements dans l'environnement, ni pour associer les activités au temps. Ensuite, nous n'avons pas de corps. Nous sommes devenus rien. Il n'y a plus de temps. Nous sommes alors pure conscience. Tout bruit ayant cessé dans ces régions cérébrales, l'état créateur est exempt de l'ego. Quand nous sommes en mode création, le lobe frontal contrôle tout. Il est tellement occupé que nos pensées deviennent notre réalité et notre expérience. En abaissant le volume des autres régions du cerveau, il bloque les distractions. Le monde de la pensée devient aussi réel que le monde extérieur. Nos pensées sont captées neurologiquement et intégrées dans la structure cérébrale comme une expérience. Si nous exécutons efficacement le processus créateur, cette expérience produit une émotion et nous commençons à ressentir l'événement comme s'il se produisait déjà dans le présent. Nous ne faisons qu'un avec les pensées et les émotions associées à la réalité désirée. Nous sommes alors dans un nouvel état d'être. On pourrait dire que nous réécrivons les programmes subconscients en reconditionnant le corps à un nouvel esprit. Changer d'identité, libérer notre énergie. Quand, dans l'acte créateur, nous ne sommes plus personne ni rien dans aucun temps, nous ne produisons plus notre signature chimique coutumière, car nous n'avons plus la même identité. Bref, le soi émotionnel qui était en mode survie ne fonctionne plus. Puisque nous ne sommes plus le même être, l'énergie émotionnelle qui était attachée au corps est désormais libre de circuler. Cette énergie, sous forme d'émotion, monte dans le corps depuis les centres hormonaux jusqu'à la région du cœur, en faisant route vers le cerveau, et soudain, nous nous sentons joyeux et en pleine forme. Nous tombons amoureux de notre création. Nous sommes alors dans notre état d'être naturel. Le soi émotionnel n'étant plus alimenté par la réaction au stress, l'égotisme disparaît. Comme cette vieille énergie est transmutée en une émotion d'une plus haute fréquence vibratoire, le corps est libéré de son esclavage émotionnel. Nous nous élevons au-dessus de l'horizon pour apercevoir un tout nouveau paysage. Ne percevant plus la réalité à travers les émotions de survie, nous voyons de nouvelles possibilités. Nous sommes maintenant les observateurs quantiques d'une nouvelle destinée. Cette libération guérit le corps et libère l'esprit. Quand nous sommes en mode survie, nous tentons de contrôler ou de forcer un résultat. C'est l'œuvre de l'ego. Quand nous vivons dans l'émotion de la création, nous sommes trop transportés pour essayer d'analyser comment ou quand surviendra le destin choisi. Nous avons confiance qu'il se produira, car nous l'avons déjà vécu dans l'esprit et dans le corps, en pensée et en émotion. Nous savons qu'il surviendra, car nous nous sentons connectés à une réalité supérieure. Nous sommes dans un état de gratitude, parce que nous sentons qu'il est déjà survenu. Nous n'en connaissons peut-être pas tous les détails, mais quand il surviendra, et quelles que soient les circonstances, nous aurons confiance en cet avenir que nous ne pouvons ni voir ni percevoir par nos sens. Pour nous, il s'est déjà produit, dans aucun espace, aucun temps, aucun endroit d'où proviennent toutes choses matérielles. Nous sommes dans un état de certitude. Nous pouvons nous détendre dans le présent et ne plus vivre en mode survie. Alors que persiste cet état créatif où notre identité n'existe plus, les cellules nerveuses qui auparavant s'activaient ensemble pour former l'ancienne personnalité ne fonctionnent plus de concert. C'est à ce moment que l'ancienne personnalité est détruite biologiquement. Les émotions qui lui sont associées et qui conditionnaient le corps au même esprit ne donnent plus le même signal au gène. Plus nous transcendons l'ego, plus la preuve physique de l'ancienne personnalité se modifie. L'ancien soi a disparu. construisons maintenant sur cette base. Nous avons survolé plusieurs possibilités. L'esprit subjectif peut affecter le monde subjectif. On peut modifier le cerveau et le corps en transcendant l'environnement, le corps et le temps. On peut se soustraire au mode survie fondé sur le stress, cesser de faire comme si le monde extérieur était le seul monde réel et entrer dans le monde intérieur du créateur. J'espère que vous voyez maintenant ces possibilités comme des réalités. Deuxième partie. Le cerveau méditant. Trois cerveaux. Celui de la pensée, celui de l'agir, et celui de l'être. Le changement entraîne de nouvelles façons de penser, d'agir et d'être. Comme nous l'avons vu, nous pouvons modifier notre cerveau selon le principe du câblage, les neurones s'engageant dans des relations habituelles à long terme. J'ai mentionné la loi de Hebb. Les cellules nerveuses qui sont stimulées ensemble se relient entre elles. Le contraire est également vrai. Les cellules nerveuses qui ne sont plus stimulées ensemble ne se relient plus entre elles. Ce que nous n'utilisons plus se perd. Nous pouvons même focaliser consciemment la pensée de débrancher les connexions indésirables. Ainsi, il est possible de se débarrasser d'une partie du fatras qui teinte nos pensées, nos actes et nos émotions. Le cerveau rénové ne se stimulera plus selon les circuits antérieurs. L'avantage de la neuroplasticité, l'aptitude du cerveau à refaire ses circuits à tout âge en fonction de l'apport environnemental et de nos intentions conscientes, est qu'elle permet de créer un nouveau niveau de l'esprit. Les neuroscientifiques appellent élagage et repousse ce processus de rénovation, tandis que je l'appelle désapprentissage et apprentissage. Il nous donne l'occasion de dépasser nos limitations et de transcender nos conditionnements ou les circonstances. En nous créant une nouvelle personnalité, nous prenons essentiellement le contrôle conscient de ce qui était auparavant un processus inconscient. Au lieu que l'esprit poursuive un but tandis que le corps en poursuit un autre, nous voulons unifier l'intention de l'esprit et les réactions du corps. Pour ce faire, nous devons créer un nouveau mode de pensée, de faire et d'être. En plus de la neuroplastie cérébrale, on pourrait dire que nous avons plus d'un cerveau pour œuvrer. En effet, nous en avons trois. Premier. De la pensée à l'agir, le néocortex traite le savoir, puis il nous incite à vivre ce que nous avons appris. Essentiellement, le néocortex est l'architecte ou le concepteur cérébral. Il traite le savoir et l'expérience et est responsable du traitement des idées dont nous n'avons pas encore fait l'expérience et qui constituent une future potentialité. En entretenant de nouvelles pensées, nous commençons à modifier notre comportement de manière à agir autrement que lorsque l'occasion se présentera afin d'obtenir un résultat différent. Quand nous modifions nos actions routinières et nos comportements typiques, il devrait se produire un événement qui diffère de la norme. Deuxième. De nouveaux événements et de nouvelles émotions. Le cerveau limbique produit des substances chimiques qui nous aident à nous rappeler nos expériences. Considérons-le comme le cerveau chimique ou le cerveau émotionnel. Lorsque nous vivons une nouvelle expérience et que nos sens envoient au néocortex de l'information provenant du monde extérieur, ces réseaux neuronaux s'organisent de manière à refléter l'événement. Ainsi, cette expérience enrichit le cerveau davantage qu'un nouveau savoir. Au moment où ces réseaux de neurones créent un schème spécifique à cette nouvelle expérience, le cerveau émotionnel fabrique et libère des substances chimiques sous forme de peptides. Ce cocktail chimique possède une signature particulière qui reflète les émotions que nous éprouvons à ce moment-là. Au cours du processus, le cerveau limbique contribue à la formation des souvenirs à long terme. Nous pouvons mieux nous rappeler toute expérience parce que nous nous souvenons de l'émotion que nous avons éprouvée au moment de l'événement. Ensemble, le néocortex et le cerveau limbique nous permettent de former des souvenirs déclaratifs, c'est-à-dire que nous pouvons déclarer ce que nous avons appris ou vécu. Si le cerveau limbique avait une devise, ce serait celle-ci. L'expérience est pour le corps. Si le savoir est pour l'esprit et si l'expérience est pour le corps, alors, quand nous appliquons le savoir pour créer une nouvelle expérience, nous enseignons au corps ce que l'esprit a appris intellectuellement. Il doit y avoir une progression. Nous devons vivre le savoir, le saisir émotionnellement. Si vous avez bien suivi mes explications jusqu'ici, vous avez compris que nous acquérons un savoir, puis que nous accomplissons une action pour vivre une nouvelle expérience, laquelle produit une nouvelle émotion nous devons ensuite mémoriser cette émotion et faire passer de l'esprit conscient à l'esprit subconscient ce que nous avons appris troisième le cervelet siège du subconscient nous possédons déjà le matériel nécessaire dans le troisième cerveau constituant la partie cérébrale la plus active le cervelet est situé à l'arrière du crâne considérons-le comme le microprocesseur et le centre mémoriel du cerveau. Quand nous sommes dans un état d'être, nous mémorisons un nouveau soi chimique. C'est alors que le cervelet entre en jeu, faisant de ce nouvel état une partie implicite de notre programmation subconsciente. Le cervelet est le site des souvenirs non déclaratifs, c'est-à-dire que nous avons effectué quelque chose tellement de fois que c'est devenu une seconde nature et que nous n'avons même plus à y penser en l'accomplissant c'est devenu tellement automatique qu'il nous serait difficile de dire comment nous le faisons. Quand cela se produit, nous arrivons au point où le bonheur, ou quelque autre attitude, comportement, aptitude ou caractéristique sur quoi nous nous sommes concentrés et que nous avons exercé mentalement ou physiquement, devient un programme mémorisé du nouveau soi. Pour la plupart d'entre nous, passer de la pensée à l'agir, c'est comme d'inciter des escargots à accélérer. Nous voulons demeurer dans la sphère intellectuelle et philosophique de notre réalité. Nous aimons nous identifier aux sentiments mémorisés et reconnaissables de notre soi familier. En abandonnant plutôt nos vieux schémas de pensée, en interrompant nos réactions émotionnelles habituelles et en renonçant aux comportements impulsifs, puis en planifiant de nouvelles manières d'être et en les exerçant, nous nous plaçons nous-mêmes dans l'équation de ce savoir que nous avons acquis, et nous créons un nouvel esprit. Nous nous rappelons à nous-mêmes ce que nous voulons être. Nous devons aborder ici une autre étape. Quand on prend conscience de qui l'on est, on devient conscience de son soi inconscient. En vous projetant psychologiquement dans une situation potentielle avant de la vivre concrètement, vous reconfigurez vos circuits neuronaux pour qu'ils soient comme si l'événement avait déjà eu lieu. Dès que ces nouveaux réseaux de neurones sont stimulés à l'unisson, votre cerveau a créé une image, une vision, un modèle, ou ce que j'appellerais un hologramme, une image multidimensionnelle, représentant la personnalité idéale sur laquelle vous vous êtes concentré. À l'instant où cela s'est produit, vous avez rendu l'objet de votre pensée plus réel que quoi que ce soit. Votre cerveau a capté la pensée comme étant l'expérience vécue, et il a amélioré sa matière grise pour qu'elle se présente comme si l'expérience avait déjà eu lieu. Incarnez le savoir par l'expérience. Enseignez au corps ce que l'esprit a appris. Grâce à vos efforts, pour incarner la compassion par exemple, votre néocortex et votre cerveau limbique travaillent ensemble. Vous avez quitté votre soi familier mémorisé et vous êtes entré dans un nouveau cycle de pensées et d'émotions. Vous avez vécu la compassion et vous la préférez à l'hostilité secrète, au rejet et à la colère réprimée. Mais attention, vous n'êtes pas devenu un saint pour autant. Il ne suffit pas que l'esprit et le corps travaillent ensemble une seule fois. Vous êtes passé de la pensée à l'agir. Mais pouvez-vous reproduire cette compassion à volonté Indépendamment des conditions de votre environnement De sorte que ni rien ni personne ne puisse vous faire créer de nouveau votre ancien état d'être Si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas encore maîtrisé la compassion. Selon ma définition de la maîtrise, celle-ci existe quand notre état chimique intérieur transcende notre monde extérieur. On est un maître quand on s'est conditionné par des pensées et des émotions choisies, quand on a mémorisé les états émotionnels chimiques désirés et que rien d'extérieur ne nous détourne de cet objectif. Ni rien, ni personne, nulle part et jamais, ne devrait troubler notre cohérence chimique interne. Nous pouvons penser, agir et ressentir selon notre nouvel état d'être quand nous le désirons. Il vous faut donc reproduire maintenant cette expérience de la compassion sur le plan de la pensée, du sentiment et de l'agir. Si vous le faites, vous perdrez la dépendance à votre état émotionnel passé et vous conditionnerez neurochimiquement votre esprit et votre corps à mémoriser l'état de compassion mieux que votre esprit conscient. Finalement, si vous répétez plusieurs fois l'expérience de la compassion en l'exerçant indépendamment des circonstances, votre corps deviendra l'esprit de la compassion. Vous mémoriserez la compassion tellement bien que rien d'extérieur ne pourra vous faire perdre cet état d'être. Les trois cerveaux travaillent maintenant de concert. Vous êtes biologiquement, neurochimiquement et génétiquement dans l'état de compassion. Lorsque la compassion nous devient inconditionnellement familière, nous sommes passés du savoir à l'expérience et à la sagesse. la progression vers un état d'être. Penchons-nous maintenant sur l'un des grands cadeaux de l'évolution humaine, la capacité de passer de la pensée à l'être sans accomplir aucune action concrète. Pour le dire autrement, nous pouvons créer un nouvel état d'être avant de vivre une expérience réelle. D'accord, direz-vous, mais jusqu'où cela peut-il aller est-ce que la pensée et l'émotion uniquement pourraient vous faire devenir enfin la personne que vous voulez être Voilà où la méditation intervient. La méditation nous permet de modifier notre cerveau, notre corps et notre état d'être. Qui plus est, nous pouvons effectuer ces changements sans accomplir aucune action concrète ni être en interaction avec l'environnement extérieur. Par la méditation, nous pouvons installer le matériel neurologique nécessaire. Si je vous demandais de penser aux qualités que posséderait votre personnalité idéale ou d'imaginer ce que vous ressentiriez si vous étiez quelqu'un de grand comme Mère Teresa ou Nelson Mandela, vous stimuleriez votre cerveau d'une nouvelle façon seulement en imaginant ce nouvel état d'être et vous renouvelleriez ainsi votre esprit. Voilà ce qu'est l'exercice mental. Je vous demande maintenant de vous imaginer heureux, content, satisfait et en paix. Quelle serait votre vision de vous-même si vous envisagiez de créer votre personnalité idéale Essentiellement, le processus méditatif permet de répondre à cette question en rassemblant toute l'information apprise et imbriquée dans vos synapses en ce qui concerne le bonheur, le contentement, la satisfaction et la paix intérieure. En méditant, vous prenez tout ce savoir et vous vous placez ensuite dans l'équation. Au lieu de vous demander simplement comment ce serait si vous étiez heureux, vous vous mettez en position d'exercer et donc de vivre l'état de bonheur. Après tout, vous connaissez déjà ce sentiment car vous l'avez vécu vous-même et vous avez vu d'autres personnes le vivre. Vous allez maintenant choisir dans ce savoir et dans cette expérience pour créer votre personnalité idéale. J'ai expliqué comment activer de nouveaux circuits par le lobe frontal afin de créer un nouvel esprit. Dès que celui-ci existe, le cerveau crée une sorte d'image holographique qui nous fournit le modèle à suivre pour créer notre future réalité. Parce que vous avez ainsi installé de nouveaux circuits neuronaux avant de vivre l'expérience réelle, vous n'avez pas à mener une révolution non violente comme l'a fait Gandhi, ni à diriger le peuple et à brûler sur un bûcher comme Jeanne d'Arc. Vous n'avez qu'à utiliser votre savoir et votre expérience des qualités que sont le courage et la conviction, pour produire intérieurement un effet émotionnel. Il en résultera un état d'esprit. Si vous produisez cet état d'esprit plusieurs fois, il vous deviendra familier et vous créerez de nouveaux circuits. Plus vous le produirez souvent, plus ces pensées en deviendront l'expérience. Une fois qu'a lieu cette transformation pensée-expérience, le produit final sera une sensation, une émotion. Quand cela se produit, le corps, en tant qu'esprit inconscient, ne fait pas de différence entre un événement qui a lieu dans la réalité concrète et les émotions créées uniquement par la pensée. En conditionnant ainsi le corps à un nouvel esprit, vous découvrirez que votre cerveau pensant et votre cerveau émotionnel travaillent ensemble. N'oubliez pas que les pensées sont pour le cerveau et que les émotions sont pour le corps. Quand vos pensées et vos émotions seront identiques lors du processus méditatif, vous ne serez plus la même personne qu'au début. Les circuits nouvellement installés, les changements neurologiques et chimiques produits par ces pensées et ces émotions, vous auront changé de sorte qu'il existera dans le cerveau et dans le corps une preuve physique de ces changements. À ce stade, vous serez entré dans un nouvel état d'être. Vous ne ferez plus qu'exercer le bonheur ou la gratitude, mais vous serez heureux et reconnaissant. Vous pourrez produire quotidiennement cet état d'esprit et de corps. Vous pourrez revivre continuellement un événement et produire la réaction émotionnelle à l'expérience de ce nouveau soi idéal. Si vous pouvez sortir de votre séance de méditation en possédant ce nouvel état d'être, modifié neurologiquement, biologiquement, chimiquement et génétiquement, c'est que vous aurez activé ces changements en avance sur toute expérience, et vous serez davantage enclin à penser et à agir en accord avec votre vraie nature. Vous aurez rompu avec vous-même. Un rappel. Quand vous êtes dans un nouvel état d'être ou une nouvelle personnalité, vous pouvez aussi créer une nouvelle réalité personnelle. Je répète. Un nouvel état d'être crée une nouvelle personnalité. Et une nouvelle personnalité produit une nouvelle réalité personnelle. Comment serez-vous si la pratique de la méditation a activé vos trois cerveaux pour qu'ils produisent l'effet escompté Si vous vous sentez exactement comme avant, si les mêmes catalyseurs produisent en vous les mêmes réactions, il ne s'est alors rien produit dans le champ quantique. Vos mêmes pensées et émotions y reproduisent le même signal électromagnétique. Vous n'avez pas changé chimiquement, ni neurologiquement, ni génétiquement. Mais si vous sortez de votre séance de méditation différent de ce que vous étiez en commençant, et si vous pouvez maintenir cet état modifié de l'esprit et du corps, vous avez alors changé effectivement. Vous saurez également que votre méditation a été féconde si quelque chose d'inattendu survient dans votre vie comme résultat de vos efforts. Rappelez-vous, le modèle quantique nous dit que si nous avons créé un nouvel esprit et un nouvel état d'être, notre signature électromagnétique est modifiée. Parce que nos pensées et nos émotions sont différentes d'auparavant, nous changeons la réalité. Les pensées et les émotions peuvent le faire ensemble, mais pas séparément. Encore un rappel, on ne peut entretenir des pensées différentes de nos émotions et s'attendre à un changement. La combinaison de nos pensées et de nos émotions constitue notre état d'être. Changez votre état d'être et vous changerez votre réalité. Quand cela arrivera, vous vivrez sans le moindre doute une intense réaction émotionnelle qui vous inspirera à créer une fois de plus une nouvelle réalité et vous pourrez utiliser cette émotion. Pour générer une expérience encore plus merveilleuse. Au lieu d'attendre une occasion qui vous procurera telle ou telle émotion, créez donc celle-ci en avance sur toute expérience dans le monde physique. Convainquez votre corps émotionnellement qu'une expérience génératrice de gratitude a déjà eu lieu. Je vous demande d'utiliser la pensée et l'émotion pour vous mettre si intensément dans la peau de cette future personnalité possible. Que vous conditionnerez émotionnellement votre corps à croire que vous êtes déjà devenu cette personne. Qui voulez-vous être quand vous ouvrirez les yeux après votre séance de méditation Quelle sensation ce soit idéal vous procurerait-il Pour rompre complètement avec vous-même, dites adieu à la loi de cause à effet et adoptez le modèle quantique de la réalité. Choisissez une réalité potentielle que vous désirez vivre. Vivez-la en pensée et en émotion, et soyez en reconnaissant en avance sur l'événement. Pouvez-vous accepter l'idée qu'une fois que vous aurez modifié votre état intérieur, vous n'aurez pas besoin du monde extérieur pour avoir une raison d'éprouver de la joie, de la gratitude ou toute autre émotion élevée Quand le corps vit l'expérience comme si elle avait lieu dans le présent et qu'elle vous semble réelle simplement à partir de votre concentration mentale et de vos émotions, vous vivez alors dans un présent futur. Lorsque vous êtes dans cet état d'être, dans le moment présent de cette expérience, vous êtes alors connecté à toutes les réalités possibles qui existent dans le champ quantique. La seule façon d'accéder au champ quantique, c'est d'être dans le moment présent. Les émotions élevées que sont la gratitude et l'amour, entre autres, sont toutes d'une haute fréquence vibratoire qui vous aidera à entrer dans un état d'être où vous pourrez ressentir les événements désirés comme s'ils avaient déjà eu lieu. Vous pourrez alors envoyer dans le champ quantique le signal que les événements se sont déjà produits. La gratitude permet de conditionner émotionnellement le corps à croire que la cause de ce sentiment a déjà eu lieu. En activant et en coordonnant vos trois cerveaux, la méditation permet de passer de la pensée à l'être. Une fois que vous êtes dans un nouvel état d'être, vous êtes davantage enclin à penser et à agir en accord avec votre vraie nature. Quand vous pourrez éprouver facilement de la gratitude ou de la joie, ou bien tomber amoureux du futur sans avoir besoin de rien ni de personne pour le faire, ces émotions élevées vous seront alors disponibles pour alimenter vos créations. L'écart. Quand nous mémorisons des états émotionnels créant une dépendance, comme la culpabilité, la honte, la colère, la peur, l'anxiété, le jugement, la dépression, la suffisance ou la haine, nous créons un écart entre ce que nous semblons être et ce que nous sommes réellement, entre l'image que nous voulons offrir aux autres et notre état d'être quand nous ne sommes pas en interaction avec les diverses expériences les gens et les endroits faisant partie de notre vie. Si nous restons inactifs assez longtemps, nous ressentons alors quelque chose. Ce quelque chose, c'est ce que nous sommes réellement. Le vrai soi est pourtant celui qui se dissimule derrière l'image que nous projetons. Comme nous ne pouvons pas l'exposer à la face du monde, nous faisons semblant d'être quelqu'un d'autre. Nous créons une série de programmes automatiques qui s'occupent de couvrir nos aspects vulnérables. Essentiellement, nous montons sur nous-mêmes parce que nous savons que la société n'a pas de place pour ce genre d'individus. Nous doutons que les autres puissent nous accepter et nous aimer tels que nous sommes réellement. À un certain stade de la vie, les gens qui ne s'efforcent pas d'occulter leurs émotions se posent de grandes questions. Qui suis-je Quel est le but de ma vie quel est le sens de tout cela Est-ce que je m'aime Et l'âme commence à s'éveiller. Ce genre de questions commence à occuper l'esprit parce que nous voyons à travers l'illusion et soupçonnons que rien d'extérieur ne peut nous rendre heureux. Nous finissons par nous apercevoir que cette tentative futile pour maintenir une image idéale aux yeux des autres est en réalité une stratégie pour nous assurer que les émotions auxquelles nous tentons d'échapper ne nous rattrapent jamais. Pendant combien de temps pourrons-nous jongler ainsi avec autant de balles sans que notre vie retombe au sol Votre âme vous dit ceci. Fais attention. Rien ne te procure de la joie. Je t'envoie des incitations à changer. Si tu continues à jouer ce jeu, je vais cesser d'attirer ton attention et tu te rendormiras. Nous nous reverrons à la fin de ta vie. L'écart le plus grand la dépendance émotionnelle. Je ne veux aucunement minimiser la gravité des dégâts causés par les dépendances matérielles comme la drogue, l'alcool, le sexe, le jeu, la consommation et ainsi de suite. Ces problèmes causent un tort immense aux nombreux individus qui en souffrent ainsi qu'à ceux qui les aiment ou travaillent avec eux. Bien sûr, on pourra suivre les étapes pour se libérer de ces dépendances puisqu'elles sont liées aux trois grands facteurs. Mais il est hors de la portée de cet ouvrage de traiter spécifiquement de ce sujet. Il est toutefois impératif de réaliser qu'à l'origine de toute dépendance réside une émotion mémorisée qui gouverne le comportement. En revanche, ce qui est inclus dans la portée de cet ouvrage, et en constitue même le sujet central, c'est d'aider les gens à rompre avec eux-mêmes qu'il soit sous l'emprise de l'alcool, du sexe, du jeu, des emplettes ou encore de la solitude chronique, de la dépression, de la colère, de l'amertume ou d'un malaise physique. L'avantage du système que j'emploie, c'est que l'on peut affronter ces aspects sombres sans les exposer au grand jour de la réalité quotidienne. Vous pourrez plutôt travailler dans l'intimité de votre foyer et de votre esprit, pour remplacer les aspects négatifs de votre personnalité par des aspects positifs et plus productifs, ou du moins réduire leur rôle en ne leur permettant que de brèves manifestations occasionnelles. Je veux que vous vous efforciez d'oublier les événements qui valident les émotions que vous avez mémorisées et qui sont devenues une partie de votre personnalité. Il s'agit plutôt de désapprendre les émotions limitatives. Une mémoire sans charge émotionnelle cela s'appelle la sagesse. La réduction ou l'élimination de l'écart entre ce que nous sommes réellement et l'image que nous présentons au monde, voilà sans doute la plus grande difficulté que nous rencontrons tous dans la vie. Pourquoi attendre qu'un traumatisme ou une perte se produise, créant un état émotionnel négatif qui déstabilise notre ego Clairement, quand une calamité nous tombe dessus, il nous faut réagir. Nous ne pouvons pas faire comme si de rien n'était quand nous sommes affalés au sol. Mais nous pouvons apprendre et changer dans un état de joie et d'inspiration autant que dans un état de douleur et de souffrance. Nous n'avons pas à attendre d'être dans un état pénible qui nous force à sortir de notre inertie. On pourrait aussi voir la chose ainsi. Vous entrez dans le système d'exploitation du subconscient pour en rapporter dans votre conscience toutes les informations et les instructions qui s'y trouvent, afin de voir vraiment où se situent ces pulsions et ces inclinations qui ont pris le contrôle de votre vie. Quand nous rompons ces liens, nous libérons le corps. L'esprit ne vit plus dans le même passé jour après jour. Quand nous libérons le corps émotionnellement, nous éliminons l'écart. Quand nous éliminons l'écart, nous libérons l'énergie auparavant utilisée pour le maintenir. Avec cette énergie, nous avons maintenant la matière brute pour nous créer une nouvelle vie. Rappelons-nous qu'il ne suffit pas d'observer nos pensées, nos émotions et nos comportements. La méditation requiert un peu plus d'activité. On doit aussi se dire la vérité sur soi-même. On doit révéler ce que l'on a caché dans la partie obscure de l'écart. On doit sortir ces choses-là au grand jour. Quand on voit vraiment le tort que l'on s'est fait à soi-même, on doit regarder ce gâchis et se dire ⁇⁇ Ça ne sert plus mes intérêts. Ça ne me rend plus service. Ça n'a jamais été de l'amour de moi-même. ⁇ On peut ensuite prendre la décision de se libérer. ⁇ Nous sommes tous liés entre nous hors du temps et de l'espace. Parce que nous sommes enchevêtrés aux autres, pour utiliser un terme quantique, et fréquemment liés par des émotions de survie, il nous est presque impossible de changer quand nous sommes toujours interconnectés par des expériences et des émotions négatives. Par conséquent, la réalité demeure la même. En sortant de notre passé, nous pouvons envisager l'avenir. Pensez à la quantité d'énergie créatrice détournée par la culpabilité, les jugements, la peur ou l'anxiété associée à des gens ou à des expériences appartenant à votre passé. Imaginez à quel point vous pourriez tirer profit de la conversion de toute énergie destructrice en énergie productive. Pensez à ce que vous pourriez accomplir si vous n'étiez pas obsédé par la survie, une émotion égoïste, mais que vous œuvriez plutôt à la création d'intentions positives, une émotion désintéressée. Demandez-vous ceci. Quelle énergie liée à des expériences antérieures, sous la forme d'émotions limitées, renforce mon identité passée et m'attache émotionnellement à ma situation présente. Pourrais-je utiliser cette même énergie et la transformer en un état plus élevé qui me permettrait de créer une issue différente La méditation vous aidera à vous débarrasser de quelques-unes de ces couches émotionnelles et à enlever quelques-uns des masques que vous portez. Ces deux facteurs ont bloqué le flux de la grande intelligence qui vous habite. En vous débarrassant de ces couches émotionnelles, vous deviendrez transparent. Quand on est transparent, on apparaît tel que l'on est. Quand on vit ainsi, on éprouve de la gratitude et de la joie qui constituent d'après moi notre état d'être normal. Ce faisant, on se libère lentement du passé et l'on peut envisager l'avenir. En enlevant les voiles qui bloquent le flux de cette intelligence qui nous habite, nous ressemblons de plus en plus à celle-ci. Nous devenons plus aimants, plus généreux, plus conscients et plus déterminés. L'écart se réduit. À ce stade, on se sent heureux et complet. On ne dépend plus du monde extérieur pour se définir. Les émotions élevées que l'on éprouve sont inconditionnelles. Ni rien ni personne ne pourrait procurer ce sentiment. On est heureux et inspiré parce que l'on est. On ne vit plus dans le manque ou le désir. Le plus drôle, c'est que l'on peut manifester des choses naturellement quand on ne manque de rien ou que l'on ne désire rien. La plupart des gens essaient de créer quand ils sont dans un état de manque, d'indignité, de séparation ou de toute autre émotion limitée, plutôt que dans un état de gratitude, d'enthousiasme ou de complétude. C'est pourtant dans ce cas que le champ quantique répond favorablement. Il faut donc commencer par reconnaître l'existence de l'écart. Puis méditer sur les états émotionnels négatifs qui l'ont créé et qui dominent la personnalité. À moins de s'examiner de près et d'évaluer ses inclinations avec une tendre honnêteté, sans se condamner pour ses faiblesses, on demeure embourbé dans un événement passé et les émotions négatives qu'il a produites. Voyez-le, comprenez-le, libérez-vous-en. Créé avec l'énergie qui vous est disponible en sortant l'esprit du corps et en le libérant dans le champ quantique. Comment a débuté ma transformation Ce qui vous inspirera peut-être pour effectuer la vôtre. Un jour, assis sur mon divan, j'ai pris conscience de l'écart existant entre ma personnalité réelle et celle que je présentais aux autres. À cette époque, je voyageais beaucoup, donnant des conférences au public qui m'avait vu dans ⁇ Que sait-on vraiment de la réalité ?⁇ Quand je parlais devant des groupes, je me sentais vraiment vivant, et je suis certain que j'avais l'air heureux. Toutefois, je me sentais paralysé. C'est alors que j'en ai pris conscience. Je devais me montrer tel que tout le monde s'attendait à me voir, tel que j'apparaissais dans le film. J'avais commencé à croire que j'étais quelqu'un d'autre, et j'avais besoin que le monde me rappelle cette fausse personnalité. En réalité, j'avais deux vies différentes. Je ne voulais plus vivre dans ce piège. Ce matin-là, seul chez moi, je sentais mon cœur battre, et je me suis demandé qui le faisait battre. Je me suis rendu compte instantanément que je m'étais éloigné de cette intelligence innée. Fermant alors les yeux, je me suis concentré intensément. J'ai commencé par admettre ce que j'avais été jusque-là, tout ce que j'avais dissimulé, et à quel point j'étais malheureux. J'ai alors abandonné certains aspects de moi-même à un esprit supérieur. Je me suis ensuite rappelé ce que je ne voulais plus être. J'ai décidé que je ne voulais plus vivre en fonction de cette personnalité. J'ai examiné les comportements inconscients, les pensées et les sentiments qui la renforçaient, et je les ai passés en revue jusqu'à ce qu'ils me deviennent familiers. J'ai alors pensé à la nouvelle personnalité que je voulais acquérir jusqu'à ce que je la devienne. Je me suis soudain senti différent, joyeux. Cela n'avait rien à voir avec le monde extérieur. Il s'agissait d'une identité indépendante de tout mon environnement. Je savais qu'il se passait quelque chose en moi. Ma réaction fut immédiate après cette première méditation sur les divans, et je lui ai accordé de l'importance parce qu'elle m'avait changé. Quand je me suis levé, je me suis senti très conscient et vivant. C'était comme si j'avais vu plusieurs choses pour la première fois. Un masque était tombé, et je voulais que le processus continue. J'ai donc cessé une partie de mes activités pendant environ six mois. J'ai poursuivi ma pratique clinique dans une certaine mesure, mais j'ai annulé toutes mes conférences. Mes amis pensaient que je perdais l'esprit. C'était bien le cas. Parce que le film, que sait-on vraiment de la réalité, était au sommet de sa popularité. Et ils me rappelèrent que je perdais ainsi beaucoup d'argent. Je leur répondis que je ne monterais plus sur une scène tant que je vivrais l'idéal des autres et non le mien. Je ne voulais plus donner de conférences tant que je ne serais pas l'exemple vivant de tout ce dont je parlais. J'avais besoin de temps pour méditer et pour effectuer de vrais changements dans ma vie. Et je voulais connaître la joie qui vient de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Je voulais qu'elle transparaisse lors de mes conférences. Ma transformation ne fut pas instantanée. Méditant quotidiennement, j'ai examiné mes émotions indésirables une à une. Et j'ai commencé à les démémoriser. En suivant le processus méditatif de désapprentissage et de réapprentissage, j'ai travaillé pendant des mois pour me changer intérieurement. Ce faisant, je démantelais intentionnellement ma vieille identité et je rompais avec moi-même. C'est alors que je me suis mis à éprouver de la joie sans raison apparente. Je devenais de plus en plus heureux et cela n'avait rien à voir avec le monde extérieur. Aujourd'hui, je prends le temps de méditer tous les matins parce que je veux que cet état d'être se maintienne. Quelle que soit la raison qui vous a amené à choisir cet enregistrement, vous devrez acquérir une nouvelle conscience lorsque vous aurez pris la décision de changer. Vous devrez savoir clairement ce que vous faites, quelle est votre façon de penser, de vivre, de ressentir et d'être, au point de bien vous rendre compte que ce n'est pas là votre personnalité réelle et que vous n'en voulez plus. Ce changement doit vous atteindre au plus profond. Vous êtes sur le point de découvrir ce que j'ai fait moi-même, les mesures que j'ai prises pour accomplir mes propres changements personnels. Mais ne vous découragez pas, car vous avez peut-être déjà fait quelque chose de semblable dans votre vie. Il ne vous manque alors qu'un peu de connaissances liées au processus méditatif pour faire de cette méthode de transformation une nouvelle aptitude. Allons-y. Troisième partie. Vers votre nouvelle destinée. Le processus de méditation. Introduction et préparation. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le principal objectif de la méditation et de soustraire votre attention à l'environnement, au corps et au passage du temps, afin de la faire porter sur vos intentions et sur vos pensées, plutôt que sur ces facteurs extérieurs. Vous pourrez alors modifier votre état intérieur indépendamment du monde extérieur. La méditation est aussi un moyen de transcender l'esprit analytique pour accéder à l'esprit subconscient. C'est crucial puisque c'est dans le subconscient que résident tous les mauvais comportements et toutes les habitudes que vous désirez éliminer. Au début, la nouveauté de la tâche que vous entreprenez vous incommodera peut-être, mais c'est normal. Votre corps, qui est devenu votre esprit, résistera à ce nouveau processus d'entraînement. Il suffit de le savoir avant d'amorcer cette discipline, puis de vous détendre. Chaque étape est conçue pour être facile à saisir et simple à suivre. Personnellement, j'ai toujours hâte de faire ma méditation. J'y trouve tellement d'ordre, de paix, de clarté et d'inspiration que je manque rarement une journée. Il m'a fallu un certain temps pour en arriver à cette relation avec moi-même. Soyez donc patient. De brèves étapes qui formeront une simple habitude. Le fait de procéder par étapes facilite l'acquisition des complexités de la tâche afin que l'esprit puisse maintenir sa focalisation sans être débordé. Le but de toute entreprise de ce genre consiste à mémoriser ce que l'on apprend de façon à finir par l'exécuter naturellement, sans aucun effort et subconsciemment. Il s'agit essentiellement de faire de cette nouvelle aptitude une habitude. Chaque étape méditative que vous effectuerez aura pour vous une signification en fonction de ce que vous avez appris jusqu'ici chacune est fondée sur une connaissance scientifique ou philosophique sans la moindre conjecture les étapes sont présentées dans un ordre particulier conçu pour vous aider à mémoriser le processus du changement personnel même si j'ai établi un programme étalé sur quatre semaines pour l'apprentissage de tout le processus veuillez prendre autant de temps qu'il vous sera nécessaire pour exercer chaque étape jusqu'à ce qu'elle vous soit familière le meilleur rythme et celui qui vous convient, de sorte que vous ne serez jamais dépassé par cet apprentissage. Vous commencerez chaque séance en reprenant les étapes déjà apprises, puis vous exercerez la nouvelle étape pendant une semaine. Comme il est plus efficace d'apprendre quelques étapes en même temps, vous aurez besoin de quelques semaines pour en exercer deux ou trois nouvelles. De plus, je vous recommande d'exercer chaque nouvelle étape ou série d'étapes pendant au moins une semaine avant de passer aux suivantes. En quelques semaines, vous construirez un excellent réseau neuronal pour la méditation. Veuillez prendre le temps d'établir une base solide. Si vous êtes déjà un méditant expérimenté et que vous désirez en faire davantage d'un seul coup, tant mieux. Mais suivez toutes les instructions et remettez-vous-en à votre mémoire. Quand vous vous concentrez sans laisser les pensées errer sous l'effet d'un stimulus extérieur vous atteindrez un point où votre corps s'alignera sur votre esprit la nouvelle aptitude deviendra de plus en plus facile à exercer grâce à la loi de Hebb sur la stimulation et l'association des cellules l'apprentissage l'attention l'instruction et la pratique développeront un réseau neuronal qui reflétera vos intentions Les préliminaires. La préparation de vos outils. L'écriture. En marge de vos séances de méditation, chaque étape sera décrite et souvent accompagnée de questions et d'incitations sous le titre Une occasion d'écrire. Veuillez garder un carnet de notes à portée de la main pour écrire vos réponses. Relisez-les ensuite avant chaque séance de méditation. Ainsi, vos pensées écrites vous serviront de carte routière pour naviguer à travers les procédures méditatives par lesquelles vous accéderez au système d'exploitation du subconscient. La préparation de votre environnement. Le choix du lieu est très important que cet endroit soit isolé, personnel et facilement accessible. Allez-y tous les jours et faites-en votre lieu privilégié. Ce sera l'endroit où vous dompterez l'ego, vaincrez le vieux soi, en un nouveau et forgerez un nouveau destin. Avec le temps, vous aurez toujours hâte de vous y retrouver. La position est cruciale. Je m'assois très droit, mon dos est parfaitement vertical, mon cou est dressé, mes bras et mes jambes sont immobiles et mon corps est détendu. Le mieux est de s'asseoir sur une chaise ordinaire, les jambes séparées. Si vous préférez vous asseoir sur le sol, les jambes croisées à l'indienne, c'est très bien aussi. Avant de commencer, utilisez la salle de bain. Portez des vêtements amples. Enlevez votre montre-bracelet. Buvez un peu d'eau et gardez-en à portée de la main. Assurez-vous de ne pas avoir de fringales avant de commencer. Quand méditer Trouvez le temps de méditer. Comme vous le savez, les changements chimiques qui ont lieu quotidiennement dans le cerveau facilitent l'accès à l'esprit subconscient juste après le réveil et juste avant le sommeil. Ce sont les meilleurs moments pour méditer car l'on peut alors entrer rapidement en état alpha ou θ. La durée de la méditation. Au début de l'apprentissage, chaque séance débutera par une période d'induction de 10 à 20 minutes. Lorsque vous ajouterez des étapes, cette période devrait être de 10 à 15 minutes par étape. Avec le temps, vous franchirez plus rapidement celles qui vous seront déjà familières. Quand vous les aurez toutes apprises, votre méditation quotidienne, y compris l'induction, durera généralement de 40 à 50 minutes. Si vous avez besoin de terminer à une heure précise, programmez un chronomètre qui s'arrêtera 10 minutes avant la fin de la séance. Accordez-vous suffisamment de temps pour éviter d'être préoccupé par l'horloge. Si vous méditez en pensant à votre montre, vous ne transcendrez pas le temps. Il faudra donc peut-être vous lever plus tôt ou vous coucher plus tard. La maîtrise de l'ego Pour être franc, j'avoue qu'il y a des jours où je dois lutter bec et ongle contre mon ego, car il veut conserver le contrôle. Certains matins, je suis obsédé par tout ce qui est prévisible dans ma vie extérieure. Comme chez la plupart des gens, mon esprit anticipe l'avenir ou se souvient du passé. Quand cela se produit, je dois me calmer et me rendre compte que toutes ces associations n'ont rien à voir avec la création de quelque chose dans l'instant présent. La maîtrise du corps. Si votre corps résiste parce qu'il veut être l'esprit, s'il veut se lever et faire quelque chose, s'il pense à un endroit où il devra aller plus tard, vous devez le stabiliser dans l'instant présent et le détendre. Chaque fois, vous le reconditionnerez à un nouvel esprit, et avec le temps, il acquiescera. Il a été conditionné par l'esprit inconscient, et vous devez lui procurer un autre entraînement. Donc, aimez-le, travaillez avec lui, et prenez-en soin. Il finira par s'abandonner à vous, comme à son maître. Soyez déterminé, persistant, enthousiaste, joyeux, souple, inspiré. Vous frôlerez alors le divin. Maintenant, commençons. L'accession à la créativité. Première semaine. Au début de ma carrière professionnelle, j'ai découvert l'hypnose et j'ai fini par l'enseigner, ainsi que l'auto-hypnose. L'une des techniques utilisées par les hypnotiseurs pour mettre les individus en état de transe s'appelle l'induction. Contrairement aux mesures que vous prendrez avant votre méditation quotidienne, comme de fermer la sonnerie du téléphone ou placer le chien ou le chat dans une autre pièce, l'induction est incluse dans la séance. En fait, c'est la première étape à maîtriser et elle inaugure chaque séance. Pour éviter toute confusion, sachez qu'après avoir entamé par l'induction votre séance de méditation, vous ne serez pas dans l'état que l'industrie du divertissement appelle à tort une trance hypnotique. Vous serez plutôt parfaitement préparé et en mesure d'effectuer toutes les étapes du processus décrit dans les trois prochains chapitres. Étape 1. L'induction. L'induction. Accéder à l'état créateur. Je vous exhorte à consacrer une séance quotidienne à l'induction pendant au moins une semaine ou davantage si nécessaire. Ce processus occupera les 20 premières minutes de chaque séance de méditation. Comme il s'agit d'en faire une habitude, prenez votre temps. Votre objectif est de demeurer présent. Préparation à l'induction. En plus des préparatifs mentionnés plus tôt, voici quelques conseils. Commencez par vous asseoir le dos droit et fermez les yeux. Aussitôt, puisque vous bloquerez ainsi un certain apport sensoriel de l'environnement, vos ondes cérébrales diminueront de fréquence, se dirigeant vers l'état alpha désiré. Ensuite, Abandonnez-vous. Restez présent et aimez-vous suffisamment pour poursuivre le processus. Vous découvrirez peut-être qu'une musique calmante facilite le passage de l'état bêta à l'état alpha. Mais il n'est pas nécessaire d'employer des sons. Les techniques d'induction Il existe plusieurs variantes. Quelle que soit la technique utilisée, L'important, c'est que vous passiez de l'état bêta-analytique à l'état alpha-sensoriel, et que vous vous concentriez sur le corps, qui est l'esprit subconscient et le système d'exploitation, où vous pourrez effectuer les changements désirés. L'induction par les parties du corps De prime abord, cette technique d'induction peut sembler contradictoire vous concentrez votre attention sur votre corps et sur l'environnement. Ce sont deux des trois grands facteurs à transcender, mais dans ce cas-ci, vous contrôlerez vos pensées les concernant. Tout cela se produit lorsque nous passons d'une attention étroite à une focalisation sur le corps et sur l'espace qui l'entoure. Les ondes cérébrales deviennent ordonnées et synchronisées. La focalisation ouverte Produit un nouveau signal puissant qui permet à certaines parties du cerveau qui ne communiquaient pas avec les autres de le faire, ce qui nous permet d'émettre un signal extrêmement cohérent. On peut le mesurer par scintigraphie cérébrale, mais l'important, c'est que nous sentons la différence de clarté et de focalisation de nos pensées, de nos intentions et de nos émotions. l'induction par les parties du corps. La marche à suivre. Spécifiquement, vous vous concentrerez sur l'emplacement ou l'orientation de votre corps dans l'espace. Par exemple, pensez à l'emplacement de votre tête à partir du haut et en descendant graduellement. En progressant ainsi d'une partie du corps à une autre, prenez conscience de l'espace occupé par chacune. Ressentez aussi la densité, le poids ou le volume d'espace qu'elle occupe. En dirigeant votre attention sur le cuir chevelu, puis sur le nez, puis sur les oreilles et ainsi de suite jusqu'aux orteils, vous remarquerez des changements. Ce mouvement d'une partie à une autre et l'insistance sur les espaces situés entre les espaces sont fondamentaux. Ensuite, prenez conscience de la zone en forme de larme qui entoure votre corps, ainsi que l'espace qu'elle occupe. Quand on perçoit cet espace autour du corps, l'attention n'est plus dirigée sur le corps. Vous n'êtes plus votre corps, mais quelque chose de plus grand. C'est ainsi que l'on devient moins le corps et davantage l'esprit. Finalement, prenez conscience de la partie de la pièce que vous occupez dans l'espace. Percevez le volume qu'elle prend. Quand vous aurez atteint ce point, le cerveau commencera à troquer ses ondes cérébrales désordonnées contre des ondes plus équilibrées. Il ne s'agit pas simplement de vous faire entrer en état alpha. Il faut que vous soyez dans un état alpha organisé. Très cohérent. C'est pourquoi vous vous concentrerez d'abord sur votre corps et sur son orientation dans l'espace, puis sur le volume ou le périmètre spatial entourant le corps, et finalement sur toute la pièce. Si vous pouvez percevoir la densité de l'espace et y prêter attention, vous passerez naturellement de la pensée à la sensation. Il vous sera alors impossible de maintenir l'état bêta de haute fréquence qui caractérise le mode d'urgence de la survie et la focalisation exagérée. Première semaine guide de méditation. Au lieu de passer rapidement d'une partie à une autre, laissez s'écouler un peu de temps au moins 20 à 30 secondes pour que ces apports sensoriels et la sensation de ces parties dans l'espace s'installent réellement. En gros, consacrez environ 20 minutes à l'induction par les parties du corps, de la tête aux pieds. Si vous avez déjà médité, vous savez sans doute que vous finirez par perdre la notion du temps lorsque la fréquence des ondes cérébrales diminuera et que vous entrerez dans l'état alpha calme et détendu où le monde intérieur est plus réel que le monde extérieur. Rompre avec soi-même Deuxième semaine La deuxième semaine, on ajoute trois étapes de la rupture avec soi-même. La reconnaissance, l'admission et la déclaration, puis l'abandon. Écoutez d'abord toutes les étapes et répondez aux questions qui leur sont associées. Consacrez ensuite au moins une semaine à des séances de méditation quotidienne, où vous entrerez d'abord en induction, puis suivrez les trois nouvelles étapes. Étape 2. La reconnaissance. La reconnaissance, l'identification du problème. Quand on veut réparer quelque chose, on doit commencer par trouver ce qui ne fonctionne pas. Il faut identifier le problème pour pouvoir y remédier. La reconnaissance, c'est comme de revoir sa vie tous les jours. Puisque votre cerveau comporte tout l'équipement nécessaire pour savoir qui vous êtes, pourquoi ne pas vous en servir avant de mourir pour ensuite renaître au cours de la même vie? À l'usage, une telle conscience peut faciliter le dépassement des programmes automatiques asservissants implantés dans l'esprit et les émotions mémorisées qui ont conditionné le corps chimiquement. C'est seulement quand on est vraiment conscient que l'on commence à s'éveiller du rêve. Pour être calme, patient et détendu, et ensuite attentif aux habitudes de votre vieux soi, Libérez votre conscience subjective des attitudes trop convenues et des états émotionnels extrêmes. Vous ne serez plus le même esprit parce que vous vous libérez de l'ego centré sur lui-même. Quand, grâce à cette observation attentive, vous verrez qui vous avez été, vous aimerez la vie davantage car vous voudrez continuer à changer. En développant ces aptitudes de contemplation et d'auto-observation, vous cultiverez celle de séparer votre conscience des programmes subconscients qui ont défini votre vieille personnalité. Lorsque la conscience cesse d'être le vieux soi pour en devenir l'observateur, le lien avec ce vieux soi s'affaiblit. Vous reconnaissez ce que vous avez été. Vous prenez conscience de ce qui était inconscient auparavant. Ce sont là les premiers pas vers le changement personnel. Commencez à revoir votre vie. Afin de découvrir et d'examiner les aspects du vieux soi que vous désirez changer, il est nécessaire de vous poser certaines questions relevant du lobe frontal. Une occasion d'écrire. Prenez le temps de vous poser des questions comme celle-ci ou toute autre question qui vous viendra à l'esprit et d'écrire vos réponses. Quel genre de personne ai-je été Quel type de personne est-ce que je présente au monde Quel genre de personne suis-je réellement à l'intérieur Y a-t-il une émotion que j'éprouve sans cesse et même que je combats chaque jour Comment mes amis proches et les membres de ma famille me décriraient-ils Qu'est-ce que j'aimerais changer en moi Une occasion d'écrire. Choisissez une émotion qui occupe une grande place dans votre personnalité et que vous désirez démémoriser. N'oubliez pas que le mot qui la désigne a un sens pour vous, parce qu'il s'agit d'une émotion qui vous est familière. C'est un aspect du soi que vous voulez changer. Je vous recommande de noter par écrit l'émotion que vous avez choisie, parce que vous travaillerez sur elle au cours de cette étape-ci et des suivantes. Prenons la colère comme exemple d'une émotion récurrente sur laquelle vous auriez choisi de travailler. Lorsque vous la démémorisez, toutes les autres émotions limitatives diminuent également en vous. Si vous êtes moins en colère, vous serez moins frustré, haineux, envieux, vous jugerez moins, etc. L'essentiel, c'est d'habituer le corps à ne plus régir l'esprit inconsciemment. En conséquence, lorsque vous modifierez l'un de ces états émotionnels destructifs, le corps sera moins enclin à échapper à votre contrôle, et vous pourrez changer plusieurs autres traits de personnalité. Ensuite, fermez les yeux et réfléchissez à ce que vous ressentez quand vous éprouvez cette émotion. Si vous pouvez vous observer tandis que vous êtes submergé par cette émotion, prêtez attention à ce que votre corps ressent. Ensuite, familiarisez-vous avec l'état présent de votre corps. Votre respiration change-t-elle vous sentez-vous impatient? Souffrez-vous physiquement? Et si c'est le cas, quelle serait l'émotion associée à cette douleur? Remarquez simplement ce qui se passe physiologiquement dans l'instant et n'essayez pas d'échapper à cette sensation. Soyez avec elle. Considérons donc toutes ces sensations physiques qui créent l'émotion que vous voulez démémoriser. N'essayez pas de l'éliminer. Presque tout ce que vous avez fait dans votre vie avait pour but de lui échapper. À cause d'elle, vous avez créé un idéal pour le monde au détriment d'un idéal pour vous-même. Cette sensation, c'est ce que vous êtes réellement. Reconnaissez-le. Elle est l'un des nombreux masques de votre personnalité que vous avez mémorisé. Cette émotion est devenue la mémoire de vous-même. Elle ne dit rien sur votre avenir. Si vous y êtes attaché, vous êtes mentalement et physiquement lié à votre passé. Demandez-vous ensuite quelles sont vos pensées lorsque vous éprouvez cette émotion. Prenez conscience des pensées qui accompagnent ce sentiment. Quel état d'esprit suscite-t-il Les états d'esprit sont une attitude régie par les sentiments mémorisés et ancrés subconsciemment dans le corps. Une attitude est une série de pensées associées à un sentiment, ou vice-versa. C'est le cycle répétitif de la pensée et de l'émotion, et inversement. Par conséquent, il vous faut définir l'habitude neuronale créée par l'émotion particulière dont vous êtes dépendant. Une occasion d'écrire. Prenez conscience des pensées que vous entretenez votre état d'esprit, lorsque vous éprouvez l'émotion que vous désirez changer. Il est normal que cette émotion suscite plus d'un état d'esprit. Notez-en donc un ou deux qui éveillent un écho en vous, car vous travaillerez sur eux lors des prochaines étapes. La plupart de vos comportements, de vos choix et de vos actes sont en accord avec ce sentiment. Il est temps de ne plus voir la vie à travers le filtre du passé. Votre travail consiste à accompagner cette attitude émotionnelle sans rien faire d'autre que de l'observer. Vous venez d'identifier une émotion indésirable et l'état d'esprit qui lui correspond, que vous désirez démémoriser. N'oubliez pas toutefois qu'il vous reste encore quelques étapes avant de toutes les intégrer dans votre méditation quotidienne. Étape 3 L'admission et la déclaration. L'admission. Reconnaissez votre véritable soi plutôt que celui que vous présentez aux autres. En vous permettant d'être vulnérable, vous dépassez le domaine des sens pour entrer dans celui de la conscience universelle qui vous a donné la vie. Vous développez une relation avec cette intelligence supérieure en lui disant qui vous avez été et ce que vous désirez changer en vous, et en admettant ce que vous avez caché. Notre plus grande difficulté en tant qu'être humain, c'est d'admettre notre vraie personnalité ainsi que nos erreurs passées, et de demander aux autres de nous accepter ainsi. Rappelez-vous ce que vous ressentiez dans votre enfance quand vous deviez vous confesser à vos parents, à un enseignant ou à un ami. Ce sentiment de culpabilité, de honte et de colère, a-t-il changé depuis il est fort probable que vous l'éprouvez encore, quoique peut-être moins intensément. Ce qui rend possible l'accomplissement de l'étape 3, c'est le fait d'admettre nos erreurs et nos échecs devant le pouvoir supérieur, et non devant un humain aussi faillible que nous. Quel que soit le nom que nous lui donnons, nous pouvons considérer cette énergie comme une source illimitée de pouvoir intérieur et extérieur que nous utilisons pour créer tout au long de notre vie. Elle est la conscience de l'intention et l'énergie de l'amour inconditionnel. Il lui est impossible de juger, de punir, de menacer ou de bannir qui ou quoi que ce soit. Elle ne donne qu'amour, compassion et connaissance. Si vous êtes heureux d'être malheureux, c'est très bien également. Elle vous aime à ce point-là. Ce champ invisible qui se gère lui-même est d'une sagesse infinie parce qu'il existe dans une matrice d'énergie interconnectée, s'étendant dans toutes les directions de l'espace et du temps, le passé et le présent comme le futur. Il enregistre les pensées, les désirs, les rêves, les expériences, la sagesse, l'évolution et le savoir de toute l'éternité. C'est un immense champ d'informations immatérielles et multidimensionnelles. Votre esprit et votre corps sont en opposition. L'abandon de votre personnalité familière pendant une brève période et l'accession à l'infini dans la joie et la révérence conduisent tellement plus facilement au changement. Changeons donc dans la joie plutôt que dans la douleur. Une occasion d'écrire. Fermez maintenant les yeux et restez immobile. Regardez dans la vastitude de cet esprit et en vous-même, et dites-lui qui vous avez été. Développez une relation avec la conscience supérieure qui vous donne la vie en lui parlant honnêtement et directement. Racontez-lui en détail ces histoires que vous portez en vous. Écrivez ce qui vous vient. Exemple de ce que vous pourriez avouer à votre pouvoir supérieur. J'ai peur de tomber amoureux parce que ça fait trop mal. Je fais semblant d'être heureux, mais je souffre beaucoup de la solitude. J'ai eu un sentiment d'échec presque toute ma vie et j'essaie donc très fort de réussir. Vous pouvez à tout moment arrêter cet enregistrement pour faire l'exercice. Prenez maintenant un moment pour relire ce que vous avez écrit et ce que vous désirez avouer à ce pouvoir. La déclaration. Reconnaissez ouvertement votre émotion limitative. Dans cette partie du processus méditatif, vous direz réellement à haute voix ce que vous avez été et ce que vous cachez sur vous-même. Vous direz la vérité sur votre personnalité. Vous écarterez le passé et vous réduirez l'écart entre les apparences et la réalité. Vous abandonnerez la façade et vos efforts incessants pour être quelqu'un d'autre. En déclarant à haute voix la vérité sur vous-même, vous, vous romprez les liens émotionnels, les ententes, les dépendances, les attachements à tous ces facteurs externes. Quand vous verbalisez votre vieux soi, vous libérerez aussi de l'énergie emmagasinée dans le corps. Elle deviendra de l'énergie libre que vous pourrez employer plus tard pour créer un nouveau soi et une nouvelle vie. Sachez toutefois que votre corps ne s'y soumettra pas facilement. Il est logique que le corps ne veuille pas renoncer au contrôle car il ne vous fait pas confiance. Or, si vous daignez parler franchement malgré ce contrôle exercé par le corps, ce dernier se sentira soulagé et vous pourrez reprendre les commandes. C'est ainsi que vous définirez votre vraie personnalité sans l'associer aucunement à votre environnement extérieur. Vous couperez les liens énergétiques de l'attachement émotionnel à tous les éléments du monde extérieur. Si l'admission est une reconnaissance intime, la déclaration est une reconnaissance dirigée vers l'extérieur. Que désirez-vous déclarer Vous pouvez à tout moment arrêter cet enregistrement pour faire l'exercice. Il faut maintenant fusionner cette partie de la troisième étape avec la partie précédente. Rappelez-vous que vous construisez cette section de façon qu'elle constitue un processus fluide. Prenant l'exemple de la colère, vous pourriez dire à haute voix J'ai été en colère toute ma vie. Rappelez-vous le but général de la déclaration. Dans cette partie de votre méditation de la semaine, assis les yeux fermés, vous ouvrirez la bouche et vous nommerez doucement l'émotion à déclarer. Exemple ⁇ La colère. En vous y préparant et en verbalisant votre déclaration, vous serez sans doute un peu mal à l'aise, mais faites-le quand même. C'est votre corps qui s'y oppose. Il en résultera de l'inspiration et de l'énergie. Que cette étape soit simple et facile. N'analysez pas autre mesure ce que vous faites. Sachez seulement que la vérité vous libérera. Rappelez-vous que vous n'êtes pas encore prêt à commencer votre deuxième semaine de méditation. Dans cette section, vous avez reconnu une émotion indésirable et l'état d'esprit correspondant que vous désirez démémoriser puis vous l'avez admise intérieurement et déclarée extérieurement. Il reste encore une étape, après quoi vous pourrez rassembler les quatre étapes dans votre deuxième semaine de méditation. Étape 4. L'abandon. Livrez-vous à un pouvoir supérieur et laissez-le éliminer vos limites et vos blocages. L'étape finale de cette section est l'abandon, où l'on rompt avec soi-même. La plupart d'entre nous luttent contre l'idée d'abandon, qui implique de céder le contrôle à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. De toujours savoir à qui l'on s'abandonne, la source, l'infinie sagesse, facilite beaucoup le processus. Pourquoi ne pas vous en remettre à une conscience plus ingénieuse pour vous aider à surmonter cette facette de vous-même comme toutes les potentialités existent dans cette mer infinie de possibilités, vous lui demanderez humblement de vous enlever vos limites par un autre moyen que celui par lequel vous avez essayé de résoudre le problème. Comme vous n'avez pas trouvé la meilleure façon de vous transformer et que toutes les tentatives pour vaincre les difficultés de votre existence n'ont donné aucun résultat, il est temps de faire appel à une ressource supérieure. La conscience de l'ego ne peut pas voir la solution, car elle est enfoncée dans l'énergie émotionnelle du dilemme, et par conséquent, elle ne pense, ne ressent, et n'agit qu'au niveau de cet état d'esprit. Elle ne crée rien de nouveau. Le changement s'effectuera d'une façon illimitée du point de vue de l'esprit objectif, lequel n'est pas vous. Il perçoit des potentialités auxquelles vous n'avez même pas pensé, car vous étiez trop perdu dans le rêve en réagissant à la vie d'une manière prévisible. On ne peut à la fois s'abandonner et tenter de contrôler le résultat. S'abandonner réellement, c'est laisser tomber le contrôle de l'ego, avoir confiance en une issue que nous n'avons pas encore envisagée, et laisser cette intelligence omnisciente et aimante nous fournir la meilleure solution possible. Vous devez comprendre que ce pouvoir invisible est bien réel, qu'il est pleinement conscient de vous et qu'il peut parfaitement s'occuper de tous les aspects de la personnalité. Quand vous l'aurez compris, il organisera votre vie de la meilleure façon qui vous convient. Abandonnez-vous tout simplement à la sincérité, l'humilité, la passion la confiance, et enlevez-vous du chemin. Remettez-vous-en joyeusement à l'esprit expansé pour éliminer l'émotion indésirable, et sachez qu'il le fera pour vous. Quand votre volonté correspondra à la sienne, et quand votre amour de vous-même correspondra à son amour pour vous, il répondra à l'appel. Les effets secondaires de l'abandon sont les suivants. L'inspiration, la joie, l'amour, la liberté, la gratitude. Quand nous ressentons de la joie ou vivons dans la joie, nous avons déjà accepté l'issue future que nous désirons avoir comme réalité. Quand nous vivons comme si nos prières avaient déjà été exaucées, L'esprit supérieur fait de son mieux pour donner à notre vie une orientation nouvelle. L'esprit quantique est comme un grand miroir. Il reflète ce que vous acceptez et croyez vrai. Votre monde extérieur est donc le reflet de votre réalité intérieure. La plus importante connexion synaptique que vous puissiez faire en ce qui concerne cet esprit, c'est de savoir qu'il est réel. Pensez à l'effet placebo. Croyez que l'esprit quantique répondra à votre appel. Si vous vous mettez à douter et devenez anxieux, inquiet, découragé, ou si vous analysez trop comment cette aide pourrait survenir, vous défaites tout ce que vous avez accompli. C'est à ce moment qu'il faut revenir en arrière et retrouver un meilleur état d'esprit. Parlez à l'esprit quantique comme s'il vous connaissait très bien et se souciait de vous, car c'est le cas. une occasion d'écrire. Pour préparer cette conversation, écrivez certaines choses que vous aimeriez dire dans votre déclaration d'abandon. Ensuite, relisez ce que vous avez écrit afin de le modifier au besoin. Maintenant, fermez les yeux et familiarisez-vous avec ce que vous désirez dire à cet esprit supérieur. Plus vous serez présent, mieux vous pourrez vous concentrer. En récitant votre prière intérieurement, souvenez-vous que cette conscience invisible est consciente de vous et qu'elle vous observe. Elle connaît toutes vos pensées, toutes vos actions et toutes vos émotions. Demandez de l'aide et abandonnez votre état d'esprit indésirable. Demandez à la conscience universelle de prendre cette partie de vous et de la changer en quelque chose de meilleur. Remettez-la ensuite à cet esprit supérieur. Personnellement, je la laisse tout simplement aller. Ce qui importe, c'est votre intention de vous sentir lié à une conscience universelle très aimante et de vous libérer de votre vieux soi avec son aide. Plus vous serez capable de gérer délibérément vos pensées et plus vous en éprouverez de joie à vous libérer de cette condition, plus vous serez en harmonie avec une volonté supérieure, avec son esprit et son amour. Dites merci. Votre requête terminée, dites merci en avance sur la manifestation. Ce faisant, vous signalerez au chant quantique que votre intention a déjà porté ses fruits. La gratitude est le suprême accusé de réception. Deuxième semaine. Guide de méditation. Vous êtes maintenant prêt à commencer votre deuxième semaine de méditation. Je vous suggère la façon suivante de suivre toutes les étapes déjà apprises. Première étape. Commencez par votre technique d'induction et continuez afin de vous accoutumer de plus en plus au processus consistant à entrer dans l'esprit subconscient. Deuxième étape. Ensuite, en prenant conscience de ce que vous désirez changer dans votre esprit et dans votre corps, reconnaissez vos limites, c'est-à-dire définissez une émotion particulière que vous voulez démémoriser et observez l'attitude qui lui est associée. Troisième étape. En poursuivant, admettez intérieurement devant le pouvoir supérieur qui vous habite ce que vous avez été, ce que vous désirez changer en vous, et ce que vous avez dissimulé. Ensuite, déclarez extérieurement quelle est l'émotion que vous libérez afin d'affranchir le corps de l'esprit et de rompre les liens avec les éléments de votre environnement. Quatrième étape. Enfin, abandonnez cet état limitatif à un esprit supérieur et demandez qu'il soit résolu de la meilleure façon pour vous. Répétez toutes ces étapes régulièrement au cours de vos séances de méditation jusqu'à ce qu'elles vous deviennent suffisamment familières pour se fondre en une seule étape. Vous serez alors prêt à continuer. Gardez à l'esprit qu'en continuant à ajouter des étapes, vous commencerez toujours par la série des quatre actions intentionnelles que vous venez d'apprendre. Le démantèlement de la vieille personnalité Troisième semaine Encore une fois, vous écouterez les étapes 5 et 6 avant les séances de méditation de la troisième semaine. Étape 5. L'observation et le rappel. Au cours de cette étape, vous observerez votre vieille personnalité et vous vous rappellerez ce que vous ne voulez plus être. Selon notre définition de la méditation, Observer et se rappeler signifie se familiariser, cultiver le soi et faire connaître ce qui d'une certaine façon est inconnu. Ici, vous prendrez entièrement conscience par l'observation des pensées et des actions inconscientes ou habituelles qui constituent l'état d'esprit et l'état de corps que vous avez nommé précédemment lors de l'étape 2, celle de la reconnaissance. Vous vous rappellerez ensuite tous les aspects du vieux soi dont vous ne voulez plus vous vous familiariserez avec l'être de votre vieille personnalité. Les pensées précises auxquelles vous ne voulez plus donner de pouvoir et les comportements exacts que vous ne voulez plus manifester, de sorte que vous n'y retomberez plus jamais. Vous vous libérerez ainsi du passé. Ce que vous répétez mentalement et démontrez physiquement, c'est ce que vous êtes au niveau neurologique. Cette personnalité neurologique est faite de la combinaison continue de vos pensées et de vos actions. Cette étape vise à augmenter votre conscience et à vous faire mieux observer votre ancienne personnalité qui vous apparaîtra ainsi plus clairement. L'observation. Prenez conscience de vos états d'esprit habituels. Il s'agit maintenant de vous familiariser suffisamment avec les pensées et les actions dérivées des vieilles sensations pour les identifier quand elles reviennent. Avec la répétition, vous deviendrez suffisamment conscient des vieux chemins pour ne plus les laisser se rendre à terme. Vous resterez ainsi à l'écart du vieux soi et vous pourrez le contrôler. Lorsque surgira l'émotion qui gouverne normalement vos pensées et vos habitudes inconscientes, elle vous sera si familière que vous en serez immédiatement conscient. Vos émotions et vos pensées font partie de vous. Néanmoins, votre objectif consiste ici à devenir suffisamment conscient de l'état d'être limitatif pour ne jamais laisser une seule pensée ni un seul comportement vous échapper. Presque tout ce que nous démontrons commence par une pensée. Or, celle-ci n'est pas nécessairement vraie. La plupart des pensées ne sont que le produit de vieux circuits cérébraux qui se sont solidifiés par la répétition. Ainsi, vous devez vous demander si cette pensée est vraie ou si elle est simplement l'effet d'une émotion. Obtiendrez-vous le même résultat qu'auparavant si vous obéissez à cette impulsion En vérité, des échos de votre passé sont liés à des émotions intenses, ce qui active de vieux circuits cérébraux et vous fait réagir d'une façon prévisible. une occasion d'écrire. Quelles sont vos pensées automatiques lorsque vous éprouvez l'émotion que vous avez identifiée à l'étape 2 Il est important de les écrire et d'en mémoriser la liste. Les exemples qui suivent vous aideront à reconnaître votre série de pensées limitatives. Je ne trouverai jamais un nouvel emploi. Personne ne m'écoute jamais. J'en ai assez. C'est sa faute si ma vie est ce qu'elle est. Ça ne me tente pas. Ma vie est moche. C'est dans mes gènes, je suis comme ma mère. Comme les pensées, les actions coutumières constituent vos états d'esprit indésirables. Vous commencez par avoir de bonnes intentions, puis vous vous retrouvez bientôt sur le divan à manger des croustilles, une télécommande dans une main et une cigarette dans l'autre. Pourtant, quelques heures plus tôt, vous avez proclamé que vous feriez tout ce qu'il faut pour être en forme et que vous mettriez fin à tous les comportements autodestructeurs. La plupart des actions inconscientes sont accomplies pour renforcer émotionnellement la personnalité et satisfaire une dépendance afin d'éprouver de nouveau les mêmes sensations. Par exemple, les gens qui se sentent toujours coupables doivent faire certaines actions pour réaliser leur destinée émotionnelle. Chaussures, il s'attire des problèmes afin de se sentir coupable davantage. Plusieurs actions inconscientes sont en lien direct avec nos émotions. Les dépendances créent les habitudes. Comme rien d'extérieur ne peut combler en permanence le vide intérieur, on répète invariablement la même activité. Lorsque la sensation s'émousse quelques heures plus tard, on revient à la même dépendance, mais on s'y livre plus longtemps. Cependant, quand on démémorise l'émotion négative de la personnalité, on élimine le comportement destructeur inconscient. Une occasion d'écrire. Réfléchissez à l'émotion indésirable que vous avez identifiée. Comment agissez-vous habituellement lorsque vous l'éprouvez? Notez ce que vous faites quand vous éprouvez cette émotion. Vous apitoyez sur votre sort. Manger. Jouer compulsivement sur l'ordinateur. Faire du shopping en dépensant au-dessus de vos moyens. Procrastiner. Mentir sur vous-même. Chercher à attirer l'attention. Rappelez-vous les aspects du vieux soi dont vous ne voulez plus. Relisez votre liste et mémorisez-la. C'est une partie essentielle de la méditation. Il s'agit de vous familiariser avec les pensées et les actes associés à cette émotion spécifique qui vous domine. Il s'agit aussi de vous rappeler ce que vous ne voulez plus être et comment vous vous rendiez vous-même malheureux. Cette étape permet de prendre conscience de vos comportements inconscients et de ce que vous vous dites lorsque vous entretenez telle pensée et éprouvez telle émotion, afin d'exercer une maîtrise plus consciente sur vous-même. L'exécution de cette étape est un travail en cours. Autrement dit, si vous vous concentrez là-dessus tous les jours pendant une semaine, vous continuerez sans doute à modifier et améliorer votre liste. C'est excellent. Cette étape vous fait entrer dans le système d'exploitation des programmes informatiques de l'esprit subconscient pour bien les éclairer. Ils finiront par vous être tellement familiers que vous pourrez les inhiber avant qu'ils s'amorcent vous élagrez les connexions synaptiques qui ont formé votre vieille personnalité. De plus, si chaque nouvelle connexion neurologique forme un souvenir, vous vous trouverez à démanteler la mémoire de votre vieille personnalité. Pendant toute la semaine, continuez à revoir votre liste afin de savoir encore mieux ce que vous ne voulez plus être. Si vous mémorisez tous les aspects du vieux soi, vous en séparez votre conscience davantage. Quand vos pensées et vos réactions automatiques vous seront parfaitement familières, elles ne vous échapperont plus et vous pourrez même les prévoir. C'est alors que vous serez libre. Au cours de cette étape, souvenez-vous que votre objectif est la conscience. Étape 6. La réorientation. Voici ce qui se produit quand on utilise les outils de la réorientation. On s'empêche de se comporter inconsciemment. On cesse d'activer les vieux programmes où l'on se modifie biologiquement, ce qui débranche les cellules nerveuses. De même, les gènes ne reçoivent plus le même signal. Si vous avez eu de la difficulté à renoncer au contrôle, cette étape vous permet de reprendre les rênes plus consciemment et plus judicieusement afin de rompre avec vous-même. Quand on parvient à se réorienter soi-même, on construit une base solide sur laquelle établir sa personnalité améliorée. La réorientation. Jouer au jeu du changement. Durant vos méditations de la semaine, prenez quelques situations que vous avez identifiées lors de l'étape précédente et, en les observant mentalement, dites-vous à voix haute, change. C'est simple. Imaginez une situation où vos pensées et vos émotions sont inconscientes. Dites ⁇ Change ⁇ Évoquez une situation, par exemple en présence de quelqu'un ou de quelque chose, où vous pourriez facilement retomber dans un vieux comportement. Dites ⁇ Change ⁇ Imaginez-vous dans un événement où vous auriez une bonne raison de ne pas être à la hauteur de votre idéal. Dites ⁇ Change ⁇ Votre voix mentale la plus forte. Après vous être appelé de demeurer conscient toute la journée, comme vous avez appris à le faire lors de l'étape précédente, vous pouvez maintenant vous servir d'un outil pour vous modifier dans l'instant. Lorsque vous vous surprenez à entretenir une pensée limitative ou à vous engager dans un comportement limitatif, dites simplement ⁇ Change à voix haute. Avec le temps, votre voix physique deviendra plus forte que votre voix mentale. Elle sera la voix de la réorientation. En interrompant plusieurs fois le vieux programme, vous réussirez à affaiblir davantage les connexions entre les réseaux neuronaux qui constituent votre personnalité. Selon la loi de Hebb, vous déferez les circuits connectés au vieux soi dans la vie quotidienne. En même temps, vous n'enverrez plus le même signal à vos gènes. C'est là une autre étape visant à vous rendre davantage conscient. Vous développerez le contrôle conscient de vous-même. Quand on interrompt un réflexe émotionnel suscité par quelqu'un ou par quelque chose, on s'empêche de réintégrer sa vieille personnalité. Dans le même ordre d'idées, en reprenant le contrôle conscient des pensées suscitées par un souvenir quelconque ou par un facteur environnemental, on s'éloigne de la destinée prévisible où l'on aurait les mêmes pensées et où l'on accomplirait les mêmes actions, ce qui créerait la même réalité. C'est un rappel que l'on place soi-même dans son esprit. En devenant conscient davantage, en réorientant vos pensées et vos émotions familières et en reconnaissant vos états d'être inconscient, vous ne gaspirez plus votre précieuse énergie vitale que vous pourrez ensuite utiliser pour la création d'une existence nouvelle. Comme il est essentiel de demeurer conscient pour créer cette vie nouvelle, il importe de comprendre comment les souvenirs associatifs vous ont donné de la difficulté à rester conscient par le passé, et comment la pratique de la réorientation peut vous aider à vous libérer du vieux soi. Nos souvenirs associatifs résident dans l'esprit subconscient. Il se forme avec le temps, quand l'exposition répétée à une condition extérieure produit une réaction automatique dans le corps, ce qui entraîne ensuite un comportement automatique. Lorsqu'un sens ou deux réagissent au même stimulus, le corps réagit sans que l'esprit conscient soit réellement impliqué. Il s'active simplement par une pensée ou par un souvenir. Nous vivons en fonction de nombreux souvenirs associatifs similaires, déclenché par plusieurs identifications dérivées de notre environnement. Par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez bien, il y a des chances que vous réagissiez d'une façon automatique sans même vous en rendre compte. La vue de cette personne crée un souvenir associatif à partir d'une expérience passée qui est associée à une certaine émotion, laquelle déclenche un comportement automatique. Le corps change chimiquement dès que vous vous souvenez de l'individu en question. Un programme s'exécute à partir du conditionnement répété que vous avez mémorisé concernant cette personne dans votre esprit subconscient. Votre corps prend le contrôle et il vous dirige subconsciemment en fonction d'un souvenir passé. C'est pourquoi il est si difficile de rester conscient lors du processus de changement. On voit quelqu'un, on entend une chanson, on visite un endroit, on se rappelle une expérience et le corps active immédiatement un souvenir. De plus, la pensée associée à l'identification à quelqu'un ou à quelque chose déclenche une cascade de réactions inconscientes qui nous ramènent à la même personnalité. On pense, agit et ressent d'une façon prévisible et automatique. On s'identifie de nouveau subconsciemment à l'environnement connu, ce qui ramène au soi vivant dans le passé. Ressaisissez-vous avant de devenir inconscient lorsque vous repassez mentalement une série de situations où vous empêchez le vieux soi de ressurgir émotionnellement l'exposition répétée au même stimulus affaiblira avec le temps la réaction émotionnelle à cette condition à force de vous présenter toujours les mêmes motifs de la vieille identité et de remarquer votre réaction automatique vous en deviendrez suffisamment conscient pour vous ressaisir et vous empêcher de redevenir inconscient avec le temps, vous n'aurez plus ce réflexe physiologique avec votre soi neurochimique lié aux personnes ou aux choses familières parce que vous l'aurez consciemment inhibé suffisamment de fois. Après avoir dit change, j'aime bien dire ceci. Ce n'est pas de l'amour de soi. Les effets de la santé, du bonheur et de la liberté valent beaucoup mieux que d'être enfoncés dans ce schème d'autodestruction. Je ne veux plus envoyer à mes gènes le même signal émotionnel et faire autant de mal à mon corps. Cela n'en vaut pas la peine. Troisième semaine. Guide de méditation. L'objectif de votre troisième semaine de méditation consiste à ajouter aux étapes précédentes, l'étape 5, l'observation et le rappel, puis l'étape 6, la réorientation, afin de les faire toutes les six. Les étapes 5 et 6 finiront par se fondre en une seule. Pendant toute la journée, lorsque surgiront des pensées et des émotions limitatives, observez-vous et dites automatiquement « change » à voix haute, ou bien entendez-le très fort mentalement. Vous serez alors prêt au processus créateur. Étape 1. Comme d'habitude, commencez par l'induction. Étape 2 à 5. Après avoir reconnu, admis, déclaré et abandonné, il faut continuer à vous occuper des pensées et des actions spécifiques qui échappent naturellement à votre conscience. Observez le vieux soi jusqu'à ce que vous soyez entièrement familiarisé avec ses programmes. Étape 6. Ensuite, en observant le vieux soi pendant votre méditation, choisissez quelques situations habituelles de votre vie et dites ⁇ Change ⁇ à voix haute. La création d'un nouvel esprit pour votre nouveau futur. Quatrième semaine. Étape 7. La création et la répétition. La quatrième semaine sera légèrement différente des trois précédentes. Chaque jour de la semaine, vous pratiquerez la méditation de la quatrième semaine, qui comprend les étapes 1 à 7. Vous appliquerez l'attention focalisée et la répétition que vous avez utilisée pour créer votre nouvelle personnalité et votre nouvelle destinée. La création et la répétition de votre nouvelle personnalité. Avant que vous entrepreniez la dernière série d'étapes, je veux souligner que toutes les étapes précédentes visaient à vous faire rompre avec vous-même afin de pouvoir réinventer votre personnalité consciemment et énergétiquement. Jusqu'ici, vous vous êtes efforcé d'élaguer les vieilles connexions synaptiques. C'est maintenant le temps d'en créer de nouvelles pour que l'esprit que vous acquérez devienne le fondement de votre future personnalité. La création de votre nouvelle personnalité. Maintenant que vous avez entrepris de perdre votre esprit, le temps est venu d'en créer un nouveau. Commençons par semer une nouvelle personnalité. Vos méditations, contemplations et répétitions quotidiennes s'apparenteront à l'ensemencement d'un jardin pour créer une expression supérieure de vous-même. Plus vous serez créatif en réinventant votre identité, plus les fruits que vous récolterez seront diversifiés. L'intention ferme et l'attention consciente seront comme l'eau et la lumière du soleil pour nourrir les rêves de votre jardin. En vous réjouissant émotionnellement de votre nouveau futur avant qu'il se manifeste, vous jetez un filet de sécurité et une clôture protégeant votre vulnérable destinée potentielle contre les ravageurs et les intempéries, parce que votre énergie élevée préserve votre création. En tombant amoureux de la vision de votre être en devenir, vous nourrissez les plantes et les fruits potentiels avec un fertilisant miracle. L'amour est une émotion de plus haute fréquence que les émotions de survie qui ont permis aux mauvaises herbes et aux ravageurs d'apparaître. Le processus de transformation consiste à éliminer le vieux pour faire place au nouveau. Exercer votre nouvelle personnalité. Le moment est venu de vous exercer à créer un esprit nouveau jusqu'à ce qu'il vous soit familier. Plus on stimule des circuits conjointement, plus on les branche ensemble pour une relation durable. Si vous stimulez une série de pensées associées à un courant de conscience particulier, il sera plus facile de produire le même état d'esprit la fois suivante. Par conséquent, en répétant quotidiennement la même humeur par la répétition mentale d'un nouveau soi idéal, celui-ci deviendra plus familier avec le temps, plus naturel, plus automatique et plus subconscient. L'ancienne personnalité sera devenue quelqu'un d'autre. Lors des étapes précédentes, vous avez aussi démémorisé une émotion emmagasinée dans votre corps-esprit. Il s'agit maintenant de reconditionner le corps avec un nouvel esprit et de fournir au gène un signal différent. Pour cette dernière étape, l'objectif consiste à maîtriser un nouvel esprit dans le cerveau autant que dans le corps. Ainsi, il vous deviendra tellement familier que vous pourrez reproduire le même état d'être à volonté, facilement et naturellement. Il est important de mémoriser ce nouvel état d'esprit en entretenant des pensées nouvelles. Il importe aussi de mémoriser une nouvelle émotion afin qu'aucun facteur extérieur ne puisse la déloger. Vous serez alors prêt à créer un nouveau futur et à le vivre. Vos répétitions feront naître régulièrement votre nouvelle personnalité, de sorte que vous saurez comment la faire apparaître à volonté. La création. Employez l'imagination et l'invention pour faire naître votre nouveau soi. Vous entamerez cette étape en vous posant quelques questions ouvertes, qui vous feront réfléchir et envisager de nouvelles possibilités, ce qui stimulera le lobe frontal. Tout ce processus contemplatif constitue la méthode de construction de votre nouvel esprit. Vous créez maintenant les fondements du nouveau soi en soumettant le cerveau à des stimulations nouvelles. La transformation est amorcée. Une occasion d'écrire. Prenez le temps de répondre par écrit aux questions suivantes. Ensuite, relisez-les. Réfléchissez-y. Analysez-les et pensez à toutes les possibilités soulevées par vos réponses. Vous pouvez à tout moment arrêter cet enregistrement pour faire l'exercice. Question stimulante pour le lobe frontal. Quel est le plus bel idéal de moi-même Quel est le personnage historique que j'admire le plus et comment se comportait-il Comment parlerais-je aux autres si je n'étais plus le ou la même Quelle personnalité voudrais-je avoir constamment Votre personnalité est constituée de votre façon de penser, d'agir et de ressentir. J'ai donc regroupé quelques questions qui vous aideront à déterminer plus spécifiquement le comportement souhaité pour votre nouvelle personnalité. N'oubliez pas qu'en répondant à ces questions et en réfléchissant à vos réponses, vous installerez de nouveaux circuits cérébraux et activerez vos gènes différemment. Vous pouvez à tout moment arrêter cet enregistrement pour faire l'exercice. Quelles seraient les pensées de ma personnalité idéale Dans quelles pensées veux-je investir mon énergie Quelle est ma nouvelle attitude Comment serait ce nouveau soi Quels seraient mes sentiments ou mes émotions Quelle serait l'énergie de cette personnalité idéale Lorsque vous méditez pour créer votre nouvelle personnalité, il s'agit de reproduire le même état d'esprit chaque jour, d'entretenir de nouvelles pensées et d'éprouver de nouvelles émotions. Vous devriez être capable de répéter cet état d'esprit à volonté. De plus, vous devez laisser le corps ressentir ce nouvel état jusqu'à ce que vous soyez cette nouvelle personne. Autrement dit, vous devez ressortir transformé de votre méditation. Ce changement doit survenir dans l'ici maintenant, et votre énergie doit être différente de ce qu'elle était avant que vous commenciez. Par conséquent, si vous vous dites ceci, ⁇ J'en ai pas trop envie aujourd'hui, je suis trop fatigué, je suis trop occupé, je ne peux pas changer, j'ai besoin de manger, je pourrais commencer demain, j'ai envie d'ouvrir la télé et de regarder les nouvelles, et ainsi de suite, et si vous laissez cette petite voix dominer le lobe frontal, vous sortirez de votre méditation avec la même personnalité qu'avant. Utilisez la volonté, l'intention et la sincérité pour dépasser ces pulsions corporelles. Vous devez reconnaître que ce bavardage est celui du vieux soi qui lutte pour garder le contrôle. Laissez-le se rebeller, puis ramenez-le à l'instant présent, détendez-le et recommencez. Avec le temps, il finira par vous faire confiance de nouveau en tant que maître. La répétition, mémorisez votre nouvelle personnalité. Maintenant que vous avez réfléchi à vos réponses, le temps est venu de les répéter. Revoyez ce que seront les pensées, les actes et les émotions de votre soi idéal. Attention à ne pas devenir trop mécanique ou rigide il s'agit d'un processus créateur. Laissez place à l'imagination, à la liberté et à la spontanéité. Ne forcez pas vos réponses dans un sens ni dans l'autre. N'essayez pas de passer à travers toute votre liste de la même façon à chaque séance de méditation. Il y a plusieurs façons différentes de parvenir à vos fins. Pensez simplement à votre nouvelle expression, puis rappelez-vous quel sera votre comportement. Il s'agit pour vous d'adopter un état d'être et de devenir cet idéal. la familiarisation avec votre nouvelle personnalité cette partie de l'étape 7 vise à vous faire atteindre le niveau d'expertise de l'habileté inconsciente quand on est inconsciemment habile à quelque chose cela veut dire qu'on le fait sans avoir à y penser ni à y prêter attention consciemment c'est comme pour un conducteur novice qui devient expérimenté c'est comme de tricoter sans avoir besoin d'être conscient de chaque geste le modèle de votre nouvelle personnalité s'imbriquera dans un système mémoriel qui deviendra inconscient et naturel. Si vous continuez à l'exercer, vous n'aurez même plus besoin d'y penser. La perfection s'obtient par les répétitions. C'est un entraînement, comme pour le sport. Une nouvelle personnalité produit une nouvelle réalité. Autrement dit, quand vous serez quelqu'un d'autre, vous aurez naturellement une autre vie. Voici un exemple. Un jour où je donnais une conférence en Californie, une dame s'approcha de moi devant l'auditoire et s'exclama avec colère, les poings sur les hanches ⁇ Comment se fait-il que je ne vive pas à Santa Fe ?⁇ Je lui ai répondu calmement ceci. Parce que la personnalité de la personne qui vient de me parler vit à Los Angeles. La personnalité qui vivrait à Santa Fe et qui s'y trouve déjà est complètement différente de celle-là. Ainsi, d'un point de vue quantique, cette nouvelle personnalité est le point de départ parfait pour créer. La nouvelle identité n'est plus ancrée émotionnellement dans des situations connues et constamment recyclées. Par conséquent, elle constitue le point de départ parfait pour envisager une nouvelle destinée. C'est de là que l'on peut susciter une existence nouvelle. Si vos prières n'ont jamais été exaucées dans le passé, c'est parce que vous tentiez de maintenir une attention consciente tout en restant perdu dans des émotions inférieures liées au vieux soi, comme la culpabilité, la honte, la tristesse, l'indignité, la colère ou la peur. Ce sont ces émotions qui régissaient vos pensées et votre attitude. Ainsi, si vous étiez coupable parce que votre corps a mémorisé le sentiment de culpabilité, vous avez alors sans doute reçu ce que vous étiez des situations qui vous ont procuré davantage de raisons de vous sentir coupable. Votre objectif conscient ne pouvait s'opposer au fait que vous étiez cette émotion mémorisée. Pour le dire simplement, on ne peut pas créer une nouvelle réalité personnelle quand on est encore la vieille personnalité. Il faut devenir quelqu'un d'autre. Une fois que l'on a acquis un nouvel état d'être, c'est le moment de créer une nouvelle destinée. La création d'une nouvelle destinée. L'énergie que vous avez libérée du corps précédemment constitue la matière brute avec laquelle vous créerez un nouveau futur. Alors que désirez-vous Et où voir ces images de la vie nouvelle que vous désirez créer avec votre nouvelle personnalité Dans un état élevé de l'esprit et du corps, dans l'amour, la joie, la confiance en soi et la gratitude, dans une énergie meilleure, plus cohérente. Élaborez les événements futurs spécifiques que vous désirez vivre en les observant dans la réalité concrète. Abandonnez-vous et établissez librement des liens sans rien analyser. Les images que vous voyez dans votre esprit sont les plans vibratoires de votre nouvelle destinée. En tant qu'observateur quantique, vous ordonnez à la matière de se conformer à vos intentions. Maintenez clairement dans votre esprit, pendant quelques secondes, l'image de chaque manifestation, puis libérez-la dans le champ quantique pour qu'elle soit réalisée par l'esprit supérieur. Vous employez votre énergie libre pour faire s'effondrer des ondes de probabilité qui deviendront un événement formant une nouvelle expérience dans votre vie. Votre énergie est maintenant enchevêtrée à cette réalité future qui vous appartient. Donc, vous y êtes enchevêtrée et c'est votre destinée. Enfin, renoncez à imaginer comment ou quand l'événement se produira, où et avec qui vous serez à ce moment-là. Laissez l'esprit supérieur s'occuper de ces détails, puisqu'il en sait tellement plus que vous. Sachez que votre création se réalisera de la façon la plus inattendue, vous étonnant et ne laissant aucun doute sur sa provenance. Ayez confiance que les événements de votre vie seront adaptés à vos intentions conscientes. Vous développez maintenant une communication bilatérale avec cette conscience invisible, ce qui démontre qu'elle a remarqué que vous l'imitiez comme créateur. Elle vous parle directement. Elle prouve qu'elle vous répond. Comment Elle crée et organise dans votre vie des événements inhabituels, qui sont des messages directs de l'esprit quantique. Vous entretenez désormais une relation avec une conscience suprême et aimante.